Salut à toutes et bienvenue pour ce doncast numéro 38 euh, et donc bienvenue euh, surtout à notre équipe qui est bien, bien évidemment là comme d'habitude donc Diego et Baby Bull, bien, bienvenue les gars. Hello. Salut. Et encore une fois donc deux, deux invités deux invités que vous connaissez déjà puisque c'est Twins c'est Dark Fox qui nous viennent tout droit de Microsoft Waypoint. salut les gars. Hello. Salut. Donc si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que une fois de plus, on va encore parler specs et donc pas les specs de la Xbox One qu'on a déjà vu évidemment, même si on va être amené à, y, à en reparler. Mais euh, les specs de la PS5 parce que ça y est, Sony est sorti du silence pas plus tard que, que ce mercredi, le mercredi 18 au moment où on enregistre, mmh. avec Marc Cerny qui a donc fait sa petite démonstration face à trois personnes du public qui étaient quand même vivants. Je crois qu'ils étaient vivants mmh. comme dans le public là. C'était pas des, des ça bougeait. Des, des, comment dire des personnes en carton. Euh... Non ils non, je crois qu'ils bougeaient. Je crois que ça devait être les mecs de l'équipe. Hein. <laughs> Sur, sur un ordinateur qui n'existe plus non ah <laughs> ah oui, c'est ah, oui, la, oui. la remarque qu'on qu s'est faite fait, c'est la remarque <laughs> qu'on s'est faite vaillot n'a pas ouais, c'est ah, ben, corporate les gars obligés ils vont pas faire ça sur <laughs> euh, sur une surface tu vois à un moment donné c'est normal ouais. non, d où d où donc Marc Cerny donc tout pourri <laughs> Marc Sarny, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui était déjà l'architecte de la PS4, enfin, celui qu'on appelle en tout cas l'architecte, et qui donc euh, a aussi décidé de, de ce, que, ce que la PS5 présentera en termes de, de technologie. Euh, c'est aussi celui qui est à l'origine de Knack, hein, ça je ne veux pas l'oublier, ça c'est très, très important, <laughs> il faut le préciser. Donc voilà. Euh, non mais il a fait non, je trois crois que... de super jeux avant ça, mais je ne sais plus lesquels. Euh, je pour... pense que ça fait partie de son contrat, c'est euh, genre... oui, une okay, console un Knack. PS5, mais voilà. Ça. On a eu Knack pour la PS4, Knack 2 pour la PS4 Pro, et donc en suppute <laughs> knack 3 pour la PS5 évidemment pour le, le lancement on l'espère tous alléluia a, du coup ce sera un bon jeu qui profitera bien du SSD évidemment euh, non non allez, plus sérieusement du coup effectivement donc il a, il, a, il a pris à peu près une heure je crois que c'était une heure le temps de parole pour nous parler des specs. Alors évidemment, c'était dans le cadre de la GDC. Enfin, en tout cas, ça a été confirmé que c'était une vidéo qui était dédiée à la GDC. Donc évidemment, c'est c'est du tech pur et dur. Il euh, n'y a pas, c'était mm -hmm. pas du, il y avait pas de foufou, pas de, c'était pas une conférence comme Sony aime bien les faire de temps en temps. Donc évidemment, on manquera pas de rappeler euh, peut-être la, mal, la, la malhonnêteté pardon de certains qui ont essayé un petit peu jouer sur le fait que oh là là, le reveal de la PS5, ça y est. Évidemment, on n'a pas eu de prix. On ça sait y pas est, quoi. On le ah, oui, <rire> <rire> on sait, sait pas à quoi elle ressemble. On sait pas voilà. Ça c'était pas, je pense que c'était ni l'endroit ni l'heure pour ça, donc voilà. Donc il n'y a pas de souci vis-à-vis de ça, mais évidemment, donc Marc Sarnier a surtout parlé des specs de la console. On a eu d'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, c'était même, je crois, au tout début de la conférence. On avait déjà les specs avec Eurogamer et donc Digital Foundry qui les ont dévoilés sur leur site officiel donc on, on savait déjà un peu sur quoi partir euh, mais évidemment donc Marc Sarnier en a parlé plus longuement il a surtout parlé longuement et on va y revenir du SSD qui est un peu particulier vis-à-vis -vis de la PS5 mmh. euh, on en sait un peu plus évidemment sur tout ce qui est GPU CPU euh, alors on nous a dit en tout cas est-ce que le tableau montre mais on va décortiquer ça après qu'on arriverait sur du 10 Teraflop 10,28 je crois Teraflop euh, mais c'est plus compliqué que ça mais ça je vous laisserai peut-être en parler tout à l'heure mmh. euh, on a eu donc ce fameux SSD qui qui apparemment un SSD de brut et on voit bien que micro, fait enfin que pardon, la puce que Sony <laughs> va miser à, à fond dessus. Euh, on a eu quoi On a eu. Euh... Alors, il y a aussi cette histoire un peu de rétrocompatibilité qui est un petit peu bizarre, un petit peu flou, même s'ils si l'ont reprécisé là aujourd'hui justement euh, sur ouais. le site parce qu'ils ont bien compris que ça avait, c'était pas trop passé. Euh, on en sait plus évidemment sur la RAM comme chez Xbox d'ailleurs parce que euh, au dernier Don't Cast, enfin, en tout cas celui des specs Xbox, on ne savait pas encore. Donc ça y est maintenant on sait. Euh, ce que la Xbox Series X prévoit en termes de RAM, ça on en parlera aussi évidemment, ça sera important. Ouais. Euh, et puis je crois si alors évidemment, mais là aussi on va peut-être en reparler, même si c'est encore assez flou, je pense le RDNA2 évidemment, voilà. Mmh. Est... Oui. Gros sujet. Qui est revenu euh, sur le devant de la scène. Donc en tout cas, ce serait bien du RDNA2 euh, la PS5, donc <laughs> ça surprise. Euh, est-ce que est-ce que vous voulez commencer dans l'ordre peut-être des specs euh, de la console, ou vous avez peut-être un point précis euh, dont vous voulez parler d'abord? Ou est-ce qu'on commence par le CPU quoi Alors, écoute, euh, oui. déjà un petit mot peut-être sur sur le, le fond euh, de la présentation. De la de de la ouais. de La présentation, ouais. Euh... Bah ils nous ont fait, enfin Marc Cerny nous avait fait à peu près la même chose. Je sais pas si vous vous souvenez pour la PS 4 Pro. Oui. Oui c'est vrai. C'est vrai. J'ai <laughs> oublié. Ouais. Très drôle. Ouais. C'est quelque chose d'assez euh... Étrange, euh, et puis là encore plus parce que du coup, pas de public bah, du tout. Ça s'expliquait quand même pour la pro. Tu te dis, c'est juste une, une, une un ouais. réapp euh, technique d'une console, oui. tu vois. Donc, tu n'avais pas besoin de représenter la philosophie de la console, tu vois. On tout la tout connaissait, fait. quoi. Et d'ailleurs, c'est vrai euh, que entre les deux prestats euh, à la PS4 Pro, je me souviens, il avait un ton assez triste, il souriait pas du tout. Là, il était déjà un peu plus joyeux. C'était pas non plus la folie. Hein. C'est parce euh... qu'on lui a confirmé le, le financement de NAC 3. <rire> <je> <rire> non, non, non mais temps je, temps. je pense qu'après, euh, euh, outre, euh, outre les préférences qu'on peut avoir pour l'un ou pour l'autre, ouais. euh, ça doit être toujours. Fait, moi, je trouve ça quand même sympa, finalement, d'avoir un visage tu vois, pour l'architecture de la console. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ah, oui, oui, c'est oui, qu'a priori, oui. la Xbox, c'est plein d'ingénieurs qui ont travaillé dessus. Et y a, ou, ou en tout cas, je ne les connais pas peut-être, mais il n'y a pas vraiment euh, de visage... visage qui parle de, 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 de l'aspect des consoles. Là, y a, ouais. on sait que c'est. Le mec qui a décidé des. Enfin, bah, plus ou moins, parce qu'il doit évidemment être aidé, mais qui oui, a décidé des specs de la PS5. Et je trouve ça plutôt sympa, moi, de voir un mec qui vient, qui, on sent qu'il est, il a le feu sacré, il est passionné par ce qu'il dit, quoi, il est ouais. content de montrer euh, enfin ce qu'il a fait. Quoi. Bah, Donc, si, je trouve ça intéressant. Si tu veux, il y, y a deux philosophies là-dessus. Euh, je trouve. Hein. Vous m'arrêtez si, 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 si je dis des conneries. Bah, je t'arrête. Mais euh, hein. <laughs> PlayStation, euh, si tu veux, euh, met beaucoup euh, Marc Cerny en avant, et ça devient une figure de proue de la marque, assez régulièrement, en tout cas. Ouais. Euh, chez Xbox, on retrouve certains ingénieurs qui travaillent sur les, les, les différentes Xbox euh, de manière régulière, hein, euh, quand on regarde les vidéos promo, ah lui j'ai déjà vu, lui j'ai déjà vu, lui aussi. Euh, mais c'est un groupe. Là où c'est Phil Spencer qui prend la tête, euh, c'est oui. la star euh, de, de la marque. Euh, là où on n'a pas un équivalent de Phil Spencer chez Sony, on a plutôt l'ingénieur. Je trouve. Après, euh, c'est drôle parce que finalement, une fois passé les specs et le délire des specs, on le voit plus après Marc Sardier. Enfin, il est pas, genre, sur les conférences 3, c'est pas lui qui vient en général. C'est vrai, c'est vrai, mais voilà, c'est lui qui imprime, euh, bizarrement. En fait, d'ailleurs, à l'époque si de la PS4, de 4, moi temps. je prenais ça comme un signe de dire, euh, après la PS3 et entre guillemets tous les problèmes qu'elle a pu poser en termes de complexité d'architecture et tout, là on vous montre en gros, on oui. a confié ça à un développeur qui, qui sait ce qu'a besoin un développeur. Voilà. Et c'était peut-être d'ailleurs l'une des forces, non, je ne sais pas de la PS4, qui a oui, en fait une architecture beaucoup plus simple. Est-ce voilà. que ce ne serait pas un peu une sorte de, de caution intellectuelle, la caution ingénieur Non mais c'est vrai, <laughs> et une, une caution de, de continuité aussi, parce qu'on l'a compris, maintenant ils veulent être dans la continuité de la PS4, hein, c'est le but. Hein. Oui, mais on prennent pas, un peu plus de risques du coup avec l'architecture de la oui, PS. Oui, hein, il y a hein. une oui. continuité et une forme d'exotisme ah. dont on vous parlera justement. Ouais. Oui, bah, d'ailleurs, est-ce que ça vous êtes d'accord J'ai vu deux trois personnes dire ça, des, des mecs un peu un peu tech euh, qui aiment bien ça, se dire finalement c'est super excitant parce que on a deux consoles avec un peu de philosophie deux idées, ils ont tenté des trucs chacun un peu dans leur coin et de se dire euh, c'est pas juste deux consoles un peu copier-coller comme pouvait l'être la Xbox One et la, et la PS4 qui étaient très similaires en termes d'approche et d'architecture. Là il y a un côté genre voilà, moi j'ai tenté un truc avec ça et, et Xbox a tenté un peu autre chose avec une puissance brute et tout. Euh, vous êtes d'accord avec ça Genre est-ce que rien que ça c'est excitant pour un mec qui aime la, tout ce qui est tech quoi Oui, très sincèrement, en fait, ce, qui, ce, qui, ce dont on va parler tout tenir aujourd'hui. C'est euh, qu'effectivement, euh, autant Sony que Microsoft n'ont pas totalement euh, la même philosophie sur comment euh, réaliser leurs consoles. Et, euh, et, et ce qui est très excitant, c'est comment Sony va réussir avec ce qu'on sait de toute manière, c'est-à-dire un GPU qui est quand même moins performant, euh, essayer de réussir à sortir un maximum euh, de performance, de, de presser au maximum, on va dire, euh, le citron, le, le, le citron voilà, pour un maximum de jus, on va dire, de, de manière à, à obtenir quand même de très bonnes performances, tout en ayant quand même à la base une, une, une base moins, moins puissante hein, en, en, en performance brute. Il y en aura quand même moins, je vous le dirai. En... Et ah, sans griller vraiment. la console aussi. Et sans griller la console, parce <laughs> qu'effectivement, il y a eu une grosse réflexion là-dessus. Ouais. Et donc euh, voilà, non, non, il, y a, il y a deux philosophies mmh. qui sont aussi bonnes que l'autre, très sincèrement. Euh, donc oui, c'est excitant, c'est très intéressant en tout cas. Okay. Mmh. Okay. Donc, donc vous, euh, en, évidemment du côté... Euh, alors on précise, à la base, c'est vrai qu'on ne l'a pas dit au début... On voulait évidemment euh, l'équivalent de, de vous, donc euh, Twins et Dark Fox, mais du côté évidemment PlayStation pour essayer d'avoir peut-être l'autre point de vue. Le euh, problème c'est qu'on l'a pas trouvé. Alors est-ce qu'il n'existe pas Est-ce qu'on est qu ne sait pas On n'a pas les réseaux, on ne les connaît ils pas. Vous trop occupés à faire des graphiques. <laughs> non, non, mais voilà, très sérieusement, peut-être aussi c'est possible, on a très souvent dit qu'on est dans cette bulle Twitter, peut-être que nous on est peut-être dans une bulle qui est plus orientée Xbox que PlayStation. Ça, moi je, je suis promet à l'admettre, il n'y a pas de souci euh, Mais voilà, donc c'est aussi pour ça qu'on vous a révité parce que de toute manière on sait que vous aimez tout ce qui est tech et que ce soit Xbox ou là du coup PlayStation. Quelque part, vous êtes aussi de toute manière excité par ce que montré PlayStation. Aussi, couvée, évidemment, de faire le... était voilà, <laughs> ça permet aussi évidemment de faire le comparo. Donc, vous, euh, de, de ce côté-là, voilà, ça, ça, vous, ça vous a surpris quand même ce qu'a mis euh, Sonia d'avant Est-ce que, est que vous aviez plus ou moins deviné un peu ce qu'ils allaient faire Ou est-ce que vous avez été étonné sur certains trucs On a été étonné et. En même temps, pas trop non plus, euh, après coup. Après Alors, coup, oui, mais au début. Euh, mais même. au début, par exemple, quand ils ont commencé... Alors, ils ont parlé beaucoup du SSD, ça, tu l'as dit. Oui, ça ça passé 30 minutes là-dessus, 25-30, je sais plus. Euh... Ça peut se comprendre parce qu'il y a vraiment un taf, a priori, monumental qui a été fait sur ce... Sur cette... sur ce... On a Donc, un peu l'impression que l'architecture le... est construite autour un peu de ce <laughs> SSD, quoi. Oui, bah en fait c'est si fait on c'est la pièce maîtresse quoi. Voilà, c'est ça, c'est un peu l'idée, la pièce maîtresse, la PlayStation, c'est ça. Euh, en revanche, on a commencé, on, on le savait, les rumeurs parlaient de quelque chose d'assez spécial sur le SSD. Euh, à ce point-là, c'est un peu surprenant quand même. Mmh, mmh. Mais bon, on le savait, euh, oui, ça vrai, ça on le savait un petit peu. En revanche, quand ils ont commencé d'ailleurs parler... pour que les gens comprennent bien ouais. la différence entre les deux SSD parce que alors Xbox c'est aussi oui. un SSD, on est d'accord, voilà. Euh, juste une chose d'ailleurs, euh, moi je sais pas du tout ce que c'est, c'est quoi ce euh, N... c'est quoi merde, je sais plus NVMe, NVMe. c'est ça NVMe, ça veut dire quoi ça il me semble que c'est un type de, de SSD, je crois que c'est des, des SSD tout plats en fait. Oui, en fait. Euh, Et, ils sont ultra rapides. C'est ça, ouais. voilà. D'une manière générale, sur PC, le SSD de base, euh, en, enfin, on, va faire, on, va faire, on va faire depuis le début. Un HDD sur un PC, c'est entre 100 120 MO, voire 150 MO secondes euh, de données euh, qui peuvent être échangées. Un SSD en moyenne, c'est 550 MO secondes euh, sur un PC également. Et un NVMe, on tape entre 1500 jusqu'à 3500 mégaoctets secondes en fonction de la qualité du NVMe euh, acheté. Mm. Voilà. Ok. Donc c'est entre guillemets c'est la dernière génération de SSD quoi. Tout à fait. Le, exactement. Voilà. Le NVMe en fait s'intègre directement à la carte mère. En fait on le fixe à la carte mère. Là où le SSD euh, ça, ça reste un peu comme un disque dur euh, classique euh, qu'on connecte en SATA donc euh, le, le, le format. Okay. Euh... Ça veut dire du coup que le SSD communique directement avec la carte mère quoi. Exactement. Il y, 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 y a pas les. Il n'y a, y a le plus de boulet d'étranglement. Voilà et du coup ouais. pleine puissance. D'accord. Donc du coup voilà, les deux consoles euh, embarquent du coup des SSD M N B NVMe. Complètement. Je vais y arriver, pardon. C'est voilà. ça. Euh, <laughs> la différence, c'est surtout du coup la, la vitesse de lecture, c'est ça Si je dis pas de bêtise. Oui. Euh, oh, je ne sais plus si les chiffres. Ah, parce qu'en en fait, c'est un peu curieux. Il y a deux types de chiffres. Vous pouvez expliquer pourquoi il y, a, oui. il y a le Alors, raw et le compressé la... Alors en fait, le raw, c'est euh, la performance brute euh, du NVMe. Donc euh, euh, par exemple, donc pour la PS5 euh, et c'est déjà ça qui est très impressionnant. C'est un, une performance brute à, si je dis pas 5,5 gigaoctets seconde. C'est ça. Euh, là où par exemple sur euh, la Xbox, c'est euh, une très bonne performance mais qui est euh, plus dans la norme d'aujourd'hui, c'est-à-dire 2,4 gigaoctets seconde. C'est véritablement une norme du, 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 du moment actuellement sur PC. Euh, okay. Et donc ensuite, l'autre donnée que vous avez, donc entre 8 à 9 gigabits de seconde pour la PS5 et 4,8 gigabits de seconde pour le, la Xbox, c'est grâce aux puces de décompression hardware qui sont existantes sur les deux consoles. Okay. Et, euh, et du coup, du fait de, 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 la, de, la, dé, de la décompression, on, on double hein, quasiment cette, cette bande passante, enfin, ce, cette vitesse de streaming des données. Du coup, que ce soit l'un ou l'autre, euh, on est quasiment sur du simple au double entre la Xbox et la PS5. Exactement, entre... précisément voilà. 1,8 fois. Mais c'est ça, oui, oui ça, 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 ça augmente très largement du côté de, de Sony sur cette question, tout à fait. Et du coup, sur le marché, ça existe déjà un SSD oui. de cette vitesse-là, comme celle de, alors, euh, non. de la PS5 ce, Alors celui de la PS5, non. Non, celui de la PS5. Ça n'existe pas du tout encore. Euh, les premiers qui commenceraient à débarquer avec une bonne vitesse comme ça, ce sera a priori en fin d'année avec des, des NVME compatibles avec la norme PCI 4 Express, parce qu'actuellement on a des NVME en norme PCI 3 Express, donc à chaque fois, à chaque fois que la norme évolue, ben on augmente la, la possibilité de, de, de bande passante. Euh, mais même cela, en fin d'année euh, devrait taper sur du 6-7 gigabits et pas du 8-9 comme sur la PS5. Donc, vraiment là-dessus, Sony, euh, depuis euh, déjà un an, nous avait bien informés qui travaillait sur la question. On se souvient bien qu'au mois de mars 2019, sur Wired, euh, Sony avait fait sa première communication. Et si vous vous souvenez de, 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 de l'article, euh, la première chose qui sautait aux yeux, c'était qu'il parlait énormément de SSD et ils avaient aussi fait une pseudo démonstration avec les temps de chargement notamment sur Spider-Man sur PS4 oui, vrai, en vrai, gros oui. euh, mmh, t'avais 8 secondes et l'autre c'était genre 0,8 secondes un truc comme ça ça paraissait un peu bullshit marketing mais en fait finalement ils se sont un peu donné les moyens de faire ça quoi le côté euh, pas de chargement, quoi. Ah ça oui, devient non, non euh, une réalité non. Euh, ça, ça, ça devient quasiment une réalité. Ils ont vraiment, vraiment, on ne peut pas leur enlever ça, bosser ouais. ce sujet-là. Ils le maîtrisent très bien. Ouais, et du coup, c'est pour ça qu'on retrouve d'ailleurs que 820 800... gigas. 824, 824 Oui. 825, je crois. 825, non 825 gigas de, de disque de, de SSD. Disque, ouais, de SSD, exact. Ouais. Voilà. au lieu de 1 Tera hein. du côté de Xbox mais ouais. du coup euh, comme on l'a dit pas le pas le même SSD, euh, SSD en termes de en tout cas de capacité, de, de, capacité ra de, de, de rapidité, rapidité. Ouais. Euh, mais du coup euh, alors j'ai lu est-ce que j'ai j'ai compris en tout cas ça que il euh, y avait possibilité bah, comme sur Xbox de rajouter du coup un SSD en plus oui. euh, voilà mais qu'il fallait du coup enfin comment dire que le SSD du marché était finalement peut-être pas aussi performant que ah celui bon. qu'il y aurait à l'intérieur de la PS5. Et du coup, ça va poser probablement des problèmes, ça non oui. Si on met un SSD qui est moins rapide, on n'aura pas les avantages du SSD clairement, interne. Clairement, clairement. Euh, voilà. bah ça ça, ça fait dit, partie peut-être des ouais. problèmes déjà, parce que oui. moi, c'est ce que je disais un petit peu en off avec ByeBull, c'est que je ne comprends pas, ou en tout cas peut-être que ça va arriver, mais je, ça n'a pas l'air en tout cas. Est-ce qu'ils n'auraient pas pu aller jusqu'au bout de délire et faire genre, il y a celle-là qui va sortir, celle qu'on connaît avec ces chiffres-là, ouais. et on va sortir aussi un modèle qui est plus cher, mais qui sera genre, je dis une bêtise, par exemple à 2 Tera de, SSD, de ce SSD là, qui sera évidemment plus cher, hein. on parle de peut-être euh, 550 euros ou 600 euros, mais je me dis quelque part euh, pourquoi pas avoir fait ça, parce que je pense que certains se diront, bah, ils préféreront peut-être mettre plus au début et avoir euh, un super SSD euh, avec plus de capacité. Tu vois, mmh. je suis très étonné moi qu'ils aient pas fait ça, niveau bah, je, je pense qu'ils l'ont pas fait parce que c'est une, une, une telle vitesse, c'est assez, assez inédit, donc ça doit coûter une blinde. Et et c de manière exponentielle, quoi. Voilà. peut-être que 2TB, ça pas 2 Terras, à peu près à euros quoi. Ouais, 2 Tera le prix, ils n'arriveraient pas à trouver quelque chose de rentable pour eux et la console serait beaucoup trop chère, elle partirait pas. Et puis, serait ne pas sûr qu'il y ait des clients, effectivement. Euh, oui, ouais, tout à non, fait. Non. Mmh, mmh. Donc, Je... On est d'accord que de toute manière, 825Go, il va falloir en plus amputer du Call OS. Enfin, la partie qui sera, euh... comment dire, euh précise pour l'OS, quoi, dire, parce qu'en général, quand on nous dit qu'il y a un téra sur un disque dur, oui, en fait, on n'a pas vraiment un Tera quoi. Oui. à l'OS, tout à fait. Après, ouais. ça là ça bien. sera pareil a priori on n'aura pas 825 Eh ben non en fait il y aura moins il voilà. y aura moins un peu comme le 1 tera, qui ne fait pas 1 tera, hein. en réalité on sait très bien qu'il reste 900 okay. euh, au mieux si ce n'est pas 850 euh, la seule chose que je pourrais rajouter c'est que Mark Sani avait quand même euh, ajouté une petite précision pour assurer un peu euh, le monde par rapport aux 825 gigas euh, de, donc de, de SSD c'était que normalement grâce au fait que maintenant les jeux euh, seront euh, donc stockés sur du SSD et plus sur du disque dur il n'y aura plus besoin d'avoir une redondance des données. C'est-à-dire que pour un disque dur, comme le disque dur, euh, bah, la petite aiguille hein, elle gratte partout sur plusieurs plateaux pour chercher les informations. Pour augmenter sa rapidité pour euh, trouver des informations, il y avait euh, une recopie de certaines données mmh. à différents niveaux du plateau pour que ça aille plus vite. Donc en fait, un jeu euh, qui faisait 100 Go octets sur un HDD, eh bien, du fait que l'accès est beaucoup plus instantané sur le SSD plus besoin de faire de redondance, il est possible, enfin même quasiment certain, qu'un jeu de 100 gigaoctets long. finisse par que, peser que, entre guillemets, 80 gigaoctets. Il y aurait une économie. Donc il, est, il essayait ah, okay. de rassurer un peu sur la question. Et il avait raison d'ailleurs de le souligner, c'était intéressant. Oui, ouais, d'accord. Ouais, en gros, ça met des, des données un petit peu accessibles dans une sorte de mémoire tampon sur le disque. C'est un petit peu ça le principe. Euh, disons Alors, moi, moi je vois ça tu me dis si j'ai tort je vois ça comme une sorte de disque où l'aiguille va repasser plusieurs fois à certains endroits et au lieu de d'attendre qu'elle fasse un tour complet pour retomber sur une donnée il va le mettre à plusieurs endroits du disque pour qu'il puisse y accéder plus rapidement ça euh, de... pour le non, disque dur classique si c'était l'idée c'était oui, oui. ça ouais, ouais, voilà. exact ouais ouais tout à fait Ok et du coup là l'aiguille va tourner tellement vite en SSD n'y a plus besoin de bête plusieurs fois sur le chemin bah, disons qu'en fait en, euh, en SSD parce a... qu'elle va le retrouver euh, instantanément voilà un SSD il y a plus d'aiguille de toute manière hein. c'est une, une mémoire euh, directe c'est de la flash c'est de la mémoire flash exactement donc il y a plus de, de, de partie mécanique pour aller chercher l'information et du coup bah, cette redondance hein, donc de, de données n'est plus utile c'est pour ça qu'ils sont tout légers et oui, okay, aussi. C'est bon, intéressant, mmh. tu vois, ça, j'en avais aucune idée. Je pense que je suis mmh. pas le seul, du coup, c'est intéressant de le savoir. Mmh. Euh, du coup, pour ce SSD, est-ce que. Alors bon, là, du coup, forcément, on va, va un peu jouer peut-être à la prophétie, mais ouais. est-ce que ça va être avant tout un avantage, du coup, pour les chargements, comme on l'a dit Ou est-ce que ça peut apporter un vrai plus en termes de développement de jeu Pour les développeurs, je dirais, qu'est-ce que. Est-ce que vous avez une idée de, 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 Alors, de ce à quoi ça peut les, les avantager quoi bon, Quelques petites idées, parce que forcément, hein, on n'est pas non plus dans la tête de, ouais, avez, des joueurs de Sony. Oui. Euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour les jeux First Party euh, Sony, euh, effectivement, ils vont, ils vont faire usage de, 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 de cette vitesse vraiment extraordinaire, donc de, du SSD. Et visiblement, l'intérêt, c'est que ça va améliorer euh, sans doute les jeux dans leur rendu sur les jeux à monde ouvert. Hein. Euh, le streaming des données sera tellement rapide qu'ils vont pouvoir vraiment faire des zones immenses euh, sans euh, aucun euh, trucage, enfin sans aucune astuce de téléchargement de données entre temps. Fin... Genre des couloirs. On peut des couloirs genre... ou ouais, <laughs> par exemple, euh, dans l'Unreal Engine, par exemple, tu as des, en général des ascenseurs ou des trucs comme ça et tu vois que le jeu freeze un petit peu, c'est qu'il charge la zone. Exactement, après, voilà. Ce genre de choses-là. Donc, effectivement, un jeu first-party va vraiment profiter de ça et euh, permettre vraiment une vitesse d'exécution. Euh, comme par exemple le Spider-Man où justement il montrait que ben, Spider-Man se déplace très vite dans un monde ouvert, et bien du coup ça va vraiment avantager ce type de jeu. Bon alors qu'un Red Dead par exemple, un Red Dead Redemption 3 s'il y en avait un, euh, ou même un GTA 6, euh, bon là non la vitesse de déplacement est plus normale, donc euh, à la limite on ne verra pas vraiment de différence je pense avec un, un jeu développé sur Xbox X. Mais bon il y a sûrement d'autres atouts qu'on qu ne connaît pas encore. Euh, en tout cas, ce que je peux quand même dire, c'est que c'est donc une vitesse extrême et c'est une des grandes qualités de la PS5. Mais il faut bien garder en tête, contrairement à ce que certains auraient voulu euh, penser, que ce n'est pas euh, la rapidité telle d'un SSD, même si c'est deux fois plus rapide, qui va euh, augmenter la puissance euh, ou le rendu graphique euh, d'une du, console. Ça, non, oui, ça n'a pas d'impact là-dessus. Certaines là euh, de, de certains amis des gamers qui euh, voilà. <laughs> nous en des petits oui. Des il n'y a vraiment pas d'impact euh, là-dessus. Ouais. Non, non, mais, mais alors, non. par contre, alors là, je vais poser une question un peu, euh, presque un peu euh, fâcheuse pour, pour ceux qui, qui sont contre ça, mais je veux dire, admettons, euh, sur PS5, ils sortent des jeux, first party, admettons, ils ont envie de les mettre aussi sur PC, comme on a pu le voir récemment avec Horizon Zero Dawn. Euh, ça poserait problème si jamais dans le développement de la PS5 qu'ils ont pris en compte ce SSD, mais une fois qu'il arrive sur PC, il va falloir avoir un SSD aussi performant, du coup pour, pour avoir des performances égales. C'est peut-être, enfin c'est même sans doute probable qu'il faudrait effectivement euh, être dans l'obligation d'avoir euh, du NVMe ou du moins un très bon SSD sur PC. Après, il pourrait forcément adapter euh, au PC euh, la configuration et du coup, euh, là où il y aurait une très grosse exigence de streaming euh, sur euh, PS5, il pourrait peut-être la diminuer un petit peu pour l'adapter sur PC. À mon avis, oh, euh, ça veut dire que sur PC... sur PC. Vous aurait faire leur version sur PC. Eh ben, disons que le le, le, <laughs> le chargement des textures ou de changement d'environnement serait peut-être probablement plus long, en tout cas sur les premières années, hein, parce que les PC évoluent aussi. Euh, mais ça serait peut-être plus long, effectivement, d'avoir certains chargements de textures et autres sur PC que sur PS5. Effectivement, mm -hmm. c'est drôle parce que du coup, alors, alors évidemment, ça pose même problème avec Sony, qui qui est pas trop du genre a priori à mettre ses jeux sur PC, même si on l'a vu récemment, ça peut arriver. Mais par exemple, pour Microsoft, qui prend totalement en compte quand même l'environnement PC, hein, qui, qui fait du coup totalement oui. partie maintenant de son environnement Xbox, c'est quelque part, il faut le prendre en compte. C'est-à-dire qu'il ne pourrait peut-être pas faire ce, qu faut, ce que fait Sony en disant genre ça a peut-être posé trop de problèmes euh, sur les, les versions PC non, je ne sais, sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Est-ce que c'est quelque part, est-ce qu'ils auraient pu aussi balancer un CSD aussi performant en se disant, ben, en fait, on va peut-être emmerder un peu, ou en tout cas sur les premières années, le marché euh, PC Donc, pas notre, c'est pas notre avantage. Euh, c'est une réflexion que je vais me faire là. Hein, je pas réfléchi à ça avant. Je suis désolé, je vous balance ça comme ça. Mais... <laughs> voilà, il balance Je régale, moi. Bon, Attends, <laughs> on sort les euh, Non, euh, la question finalement, c'est pourquoi Microsoft n'a pas poussé sur ce point-là aussi enfin ouais, oui aussi. Oui, est-ce qu'ils auraient pu bah après c'est une question de coût, non, tout oh, simplement. Oui, je pense qu'en fait Microsoft avait d'autres priorités avec euh, avec sa Xbox. On en parlera tout à l'heure avec le GPU entre autres euh, et donc la gestion du ray tracing Là-dessus, mm -hmm. ils ont ils ont ils ont sorti les les crocs, quoi. Euh, ouais. Et du coup, euh, je pense que ils ont pris un bon SS... un, un bon SSD NVMe. Une bonne rapidité ça il n'y a pas de doute euh, mais investir là dedans encore plus déjà que la console je pense qu'elle va être quand même assez chère à produire elle sera sûrement proposée à 500 euros pas moins en tout cas euh, du coup je pense qu'ils se sont dit euh, les, les calculs ne, ne sont pas bons si on commence à toucher là que... hein, <laughs> <laughs> si du coup est-ce que ça veut dire ça. Que qui a peut-être aussi possibilité, c'est peut-être ce qu'ils ont fait du coup, je, je m'y connais pas assez, mais est-ce qu'ils n'ont pas trouvé d'autres astuces derrière avec d'autres composantes, du, de, les, les, les autres parties du PC pour justement peut-être gagner en vitesse sur certains points euh, J'ai entendu dire, est-ce que vous le savez, est-ce que vous avez vu ça aussi, mmh. que le, le, le fameux format propriétaire euh, du SSD qu'on peut mettre donc, en plus sur la console, c'est une petite, une petite carte, une là, petite un peu carte, une carte ouais. mémoire, mmh. est-ce que justement, j'ai cru lire que c'était parce qu'ils avaient mis, oh, je crois que c'est ça, une puce pour faire en sorte que sa, la vitesse de lecture soit euh, plus performante, et c'est pour ça que c'est propriétaire, est-ce que je me trompe ou est-ce que je confonds bien un truc Alors oui, euh, bon là, malheureusement, je n'arrive pas à retrouver le, 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 le nom de la puce, mais euh, en tout cas, sur euh, ce principe-là donc du, du disque SSD euh, externe euh, propriétaire, euh, déjà, effectivement, ils ont vraiment décidé qu'il y aurait euh, absolument euh, la même vitesse euh, donc, déjà, que le SSD interne. Enfin, du coup, c'est un, un NVMe externe en réalité hein, finalement. Hein. Ouais. À la vitesse où ça va, c'est un NVMe externe euh, qui aurait effectivement euh, directement aussi une puce euh, donc euh, IO euh, pour pouvoir faire justement euh, les échanges de, de, de données sans forcément passer euh, tout le temps par le CPU. En fait, hein. il serait ouais. aussi indépendant dans sa lecture euh, des données. Ouais. Et ça, ça, ça accélère justement du, du coup euh, la, tra enfin, la transmission hein, des données. Mais aussi, il y a autre chose sur lequel. Euh, parce que ce n'est pas vraiment que ça. Euh, il y a aussi un autre domaine sur lequel Microsoft a, a pas mal travaillé. D'ailleurs, il y a des termes. Euh, c'est le direct storage. Et euh, le. Euh, si je dis pas de bêtises, c'était le Xbox Velocity. Euh, oui, c'est l'architecture. Architecture. Voilà. Alors pour Ils faire... ont annoncé euh, deux jours avant euh, le de la. Exactement. De la et ouais. ça. Par exemple, c'est un domaine sur lequel euh, des gens sont pas trop revenus euh, et ont même commencé à penser que euh, oui, mais bon, la Xbox, c'est beaucoup de puissance, mais peut-être pas de fignolage comme ça avec des, des, des petits trucs spécifiques. Et bah, si, si, euh, là, il y a. Enfin, Microsoft a quand même des API spécifiques qui sont là pour accélérer euh, par, le, par le biais de, de software, euh, donc, qu'on euh, dire. Euh, euh, subtil, euh, la, donc d'accélérer le traitement des données sur euh, les parties physiques. Donc, okay. le direct... Parce que moi, je, je, quand ils avaient dévoilé ça, le X... Oh, du coup, je sais plus non plus, je crois que c'est le XVS, non, je crois que c'est ça euh, Xbox, euh, VeloCity, Architecture, XVA. Ah, euh, XVA, ouais, voilà. Ouais. Euh, quand ils avaient dévoilé ça, je n'avais pas compris si c'était euh, de vrais outils euh, concrets ou si c'était une philosophie. Tu vois, l'air de dire, euh, on a construit notre architecture pour que tout aille vite partout sans dire euh, le, le XVA ou le XVS du coup je sais pas euh, c'est concrètement ce truc là software, c'est concrètement donc toi tu dis c'est des vrais outils qu'ils ont mis en place donc en termes d'API notamment exactement voilà. ils ont vraiment okay. travaillé sur deux outils le Direct Storage et le et, donc il fait, et puis le Xbox Velocity Architecture qui sont totalement liés l'idée je vais te faire simple parce que je, je crois d'ailleurs que c'était Pentaro en plus qui, a, qui en avait un peu parlé donc c'était intéressant la couette. Non, hum. c'est <laughs> pas la couette. Non, ce qu'il avait dit et, et donc c'est ça l'idée, c'est que euh, pour euh, accélérer euh, ces données. Euh, en fait, euh, les 16 gigabits de GDDR6 hein, dont on va parler aussi après pour les deux consoles euh, vont se voir étendre dans, dans leur capacité de stocker de, donc des données, euh, de, 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 dire de, des données euh, graphiques, de texture Ça va être étendu sur une partie du SSD. En tout cas sur Xbox, il y a 100 gigas euh, donc, du SSD qui seront réservés pour faire un, un cache géant. Euh, qui en oui, fait sera le, le troisième niveau de cache, parce qu'en fait il y, y a, enfin si, je, je simplifie, mais il y a, y a trois niveaux de cache à peu près. Il y a le cache directement intégré au GPU, il y a ensuite tout ce qu'on met comme information euh, donc, euh, dans le, la partie euh, mémoire vive GDDR6, et ensuite, troisième niveau, c'est la partie SSD. Et là, avec le Xbox Velocity Architecture, euh, ils ont développé donc, une puce de décompression et un API qui permettrait en gros de n'avoir à stocker dans le partie SSD qui est donc quand même plus lente hein, que que, le, que la mémoire vive hein, que ce soit sur PS5 ou, ou Xbox euh, même un SSD très rapide restera toujours plus lent que la mémoire vive et bien sur Xbox ils vont stocker euh, des textures en Full HD de manière à ce que finalement il euh, n'y ait pas des textures trop lourdes à, à récupérer par euh, le GPU et dès que euh, en fait, euh, la console a besoin euh, parce que leur effet, euh, Il lui, lui manquerait en fait des données et qu'elle aurait fait une erreur aussi dans, dans la lecture des données parce qu'il y a une histoire d'erreur de données aussi qui est prise en compte par Microsoft et qu'on ne voit pas chez, euh, chez Sony, et bien dès qu'il y a une erreur de données, normalement le, bah, le GPU doit recalculer, calculer, pardon, recalculer la donnée. Et là, eh ben, s'il y a une erreur, il a déjà la texture en 1080p, donc il y a déjà une bonne base. Il n'a plus qu'à calculer la partie en 4K. Et du coup, ça accélère le traitement. Donc, du coup, même si finalement okay. on n'a pas euh, 8 à 9 euh, gigabits euh, comme sur euh, une PS5, on a ces 4,8, euh, en fait jusqu'à 6 en réalité. Hein, J'ai lu sur l'article, ça va jusqu'à 6 gigabits. Et euh, eh ben, ça pourrait être accéléré par une, une partie de texture précalculée. Donc voilà, il y a, y a, y a deux philosophies. De, c'est des astuces so software en fait. Oui, c'est euh, une sorte de backup presque du coup le. Oui. Genre euh, une sorte de réserve au cas où, si jamais il se passe, aller directement déjà pour avoir déjà une base. Okay. Est-ce que c'est pas un peu la même idée J'avais vu ça. Alors là, on est en train de digresser sur plein de trucs, mais j'avais vu que que certains développeurs estimaient que c'était possible de faire ça par exemple avec le cloud, non Genre en fait que le cloud permette de qu'on puisse aller piocher directement dans le cloud certaines données pour oui. pour alléger le, le le calcul ailleurs quoi. C'est vrai, c'est vrai, alors moi je me suis pas trop trop en concentré encore sur la partie club parce que bon ils n'en ont pas non plus parlé à fond. Euh, mais oui, il y avait une idée comme ça aussi. Donc, euh, si tu veux, c'est en analogie. Ça, ça, ça peut être l'idée, effectivement, d'avoir un, un backup euh, euh, à ce okay. niveau-là. ouais oui, tout à fait. Mm. Du coup, on, on termine là sur SSD parce qu'on a pris déjà beaucoup de temps. Ben, un peu comme Marc Cerny, d'ailleurs. On a fait ma une Marc Cerny, exactement. Ouais, ouais, c'est ça. Euh, juste la dernière chose à préciser euh, il me semblait que le, le fait euh, de, de dire que sur le marché, on n'aurait peut-être pas des SSD qui soient aussi, aussi intéressants euh, <coughs> pour les SSD externes, je, je, je parle pour la ps 5 c'est que si j'avais bien compris, c'est notamment c'est Pentaro qui expliquait ça dans sa vidéo qui a six niveaux de priorité c'est ça euh, sur le sur le SSD de la PS5 interne ça. et que normalement oui. c'est deux dans le marché pour les SSD exactement et c'est sûrement d'ailleurs deux sur la Xbox donc c'est vrai que c'est quelque chose de totalement inédit euh, sur la PlayStation okay, 5 coup, Et encore une oui, bah. fois c'est vraiment intéressant ce à fait, savoir après il y aura il y aura a priori du coup des SSD dans le marché qui sont peut-être euh, labellisés spécifiques PS5 pour euh, pour avoir oui, des performances mais... un peu similaires mais qui sont très chères, du voilà coup, je pense hum. Malgré ah, ça, pouvoir... ils resteront okay. à deux. De... Euh... Oui, à deux priorités. Ouais, bah, à six. Deux priorités. Pardon. Mm. Et pas oh. bah, Et voilà, ils n'auront pas les mêmes, du tout, les mêmes performances que, que, que la PlayStation 5. Mais a du en, coup, est-ce qu'on a l'information Alors, je pense pas qu'il l'aient donné encore, mais de remplacer ce SSD. Parce que imaginons que euh, c'est vrai que les jeux aujourd'hui, euh, si tu as 10 jeux par exemple, bah, ton disque dur de 1 téra, il est très rapidement rempli. Du coup, si tu souhaites passer ton disque dur avec du 2TB par exemple sur PS4, si tu le changes par exemple avec un. Si tu as la possibilité de le changer évidemment, et que tu le changes en avec interne, un 2 ouais, en interne du coup, ça veut dire que tu vas perdre tout le bénéfice de, de ce que Sony a fait. Quoi. Ah Donc oui. euh, D'où l'intérêt aussi pour Sony de, euh, de lancer un format un petit peu propriétaire comme ils avaient fait, je sais pas, avec la, la PSP par exemple, avec les mémoristiques, tu vois, ce genre de trucs là. Donc euh, du coup, est-ce que, est-ce que, on pourrait, selon vous, on pourrait voir l'apparition de disques dur propriétaires lancés, même euh, pas, soit par Sony ou des partenaires d'ailleurs, mais Et Samsung du coup, non, c'est ça, c'est Samsung, je crois le. Oui, c'est Samsung. Ouais. Ouais. Oui, c'est possible, mais euh, après, euh, ça voudrait dire donc euh, qu'ils aient pensé à faire une, euh, pour remplacer celui qu'il y a en interne, c'est ça? et mettre ben, un, un ouais. Ça veut dire enfin, que petit, si ton petit... disque dur interne il crame en fait ton ouais. SSD interne il crame, euh, pour une raison X ou Y. Bon, je suis pas sûr que ça arrive si souvent que ça euh, dans les faits, mais euh, si il euh, tu as aucune solution dans le marché pour le remplacer quoi. Enfin en tout cas à, ah bah, à, à performance équivalente, ça fait Sony quoi hein, de toute oui. manière. Ça hein, coûtera peut-être moins cher hein. d'acheter une PS5. Faire acheter une PC. Oh, ben que... <laughs> c'est vrai qu'en tout cas pour l'instant, oui, leur format est extrêmement propriétaire. Peut-être qu'au bout d'un certain temps, ils vont penser, et c'est même probable, à sortir finalement leur solution propriétaire en achat supplémentaire finalement là où on dit que Microsoft a fait un format propriétaire bah Sony sera peut-être amené à être obligé de le faire hein, effectivement ah ouais, du coup au final ça revient plus ou moins et même puis, sur certains... et puis bon ouais. il compte aussi sur le fait que les, les nouveaux NVMe en PCI 4 Express qui sortiront en fin d'année et les années suivantes vont améliorer leur débit ils pourront quand même se rapprocher à terme des performances du SSD interne mais, euh, mais c'est vrai qu'effectivement c'est un défi, hein, 825 Go seulement parce que ça fait quand même un peu court. Euh, ben ça va vite inciter les, les acheteurs de, de PlayStation 5 à, à investir dans, dans un NVMe de type mm. M2. C'est le format M2 et du coup euh, de, de le rajouter à leur PS5 avec au moins je, je leur conseillerais un Tera. Bon. Euh, Après voilà. on, va pas se, on va pas se voiler la face. Tera, un, voilà juste. un Tera sur Xbox. Très franchement ça représente quasiment un jeu de plus. Ah il oui, n'y mais... euh, a pas une grosse marge de différence. Fait. Quoi. Intérêt sur Xbox, n'est pas beaucoup plus, mais en revanche, comme le format propriétaire que propose Xbox est oui, de la même rapidité. On va mettre un externe voilà, qui du sera Du coup, on n'est pas en train de se dire que la performance ouais. diminue. Voilà, c'est ça. Mm. À voir maintenant, par contre, les prix donc de ces fameux cartes mémoire entre Ouf. guillemets euh, SSD propriétaires je... à mettre ouais, avec ouais. Euh, donc ces Seagate. Non, je crois que c'est ça la, Seagate, la marque. Là, ouais. avec... Je pense qu'il y en aura d'autres à terme, d'autres marques. Ouais. mais euh, ouais. Je, ouais, voilà. je, je pense que ça va être un peu, un peu cher ouais. oh, bah du, ça risque, du 100 Ça risque d'être très cher. Ouais, ouais. Ça, bah, Moi, 100 euros ça c'est le Tera à mon avis, intera, à mon avis hein. Je sais pas si vous euh, vous souvenez temps, des ouais. prix euh, du, des disques durs Xbox 360 amovibles à l'époque. Donc format proprio. <laughs> C'était euh, une blinde. Ah ouais, une blinde. Vendu un rien pour ça. Ah non, ça pas. <laughs> <laughs> du coup, on a ouais, fait le tour du SSD qui est oui. donc clairement. Ah, pardon, je t'ai coupé. Non, c'est Diego. Ouais, non, non, J'allais juste rebondir sur, sur ces disques durs de, de 360 à l'époque. C'était ce, ce module qu'on posait sur la console. Hein. Ouais. Alors, sur ouais, la oui. 360 FAT, c'était ça. Exact. -dessus. Et la Slim, c'était un truc à, à, à insérer. À insérer euh... Enfin, mmh. au-dessus, euh, si jamais tu la mettais debout, oui, il voilà. y avait vraiment <laughs> des gens qui mettaient de la console debout, j'ai des disques de ouf comme ça. Moi à l'époque, je la mettais là. Moi, je l'avais <laughs> mise debout et elle m'avait niqué Gears ah. of War. Donc euh, <laughs> heureusement mis, que le SAV était en béton. <laughs> D'ailleurs, oui, elle avait de ouf à l'époque, mais bon, ça aussi c'est encore une autre histoire pour le contexte de l'époque. Oui. Euh, du coup, c'est bon, alors la SSD, on a vu ça, c'était clairement donc, la grosse partie concernant la, en tout cas la PS5, euh, probablement son plus gros avantage à l'heure oui. actuelle aussi sur lequel ils vont probablement miser aussi leur com et tout ça et d'ailleurs ça a l'air plus ou moins de marcher parce que j'ai vu des gens qui étaient quand même assez contents. Mm -hmm. euh, du coup on va revenir du coup maintenant sur le CPU et le GPU évidemment parce que ouais, ça répond oui. à une question qu'on se demandait, les fameux teraflops, on est à 12 teraflops du côté de la, la Xbox Series X et du coup en tout cas le tableau affichant on serait du, aux alentours de 10,28 teraflops pour la PS5 mais c'est sous réserve que le CPU, alors si j'ai bien compris le CPU le GPU soit à capacité maximale en termes de, voilà. euh, de fréquence. On est d'accord, ouais, voilà, ce qui a priori n'arrivera jamais. Parce que si l'un était au max, l'autre peut pas être au max. Ah. En termes de, de consommation électrique. Ouais. C'est un peu compliqué, là j'ai un peu tout euh, <laughs> résumé. mais euh, bah, on, va, on, va démêler, on va démêler tout ça. Mais en parce, fait, que, ça... parce que si j'ai bien compris, Marc Cerny a pas donné en tout cas la consommation électrique de la console pour l'instant. Mais il a dit que ce serait une consommation stable, ça enfin, fait euh, fixe. Et qui ouais. fait que a priori, euh, c'est ça, le fameux variable frequency il euh, y a les, les fréquences qui vont s'adapter en fonction pour voir si jamais il y a plus besoin du CPU ou plus besoin du GPU sur tel truc, à ce moment-là dans le jeu, voilà, ils vont s'adapter, en mettre plus sur le GPU, en plus sur le CPU, mais forcément proportionnellement, quand le CPU augmentera, le GPU devrait euh, descendre. Oui, oui, ça. Oui. Okay. Et en, en fait, et euh, c'est là où c'est intéressant tout à l'heure quand on parlait du, de la forme de la présentation, beaucoup de temps sur le SSD, un temps euh, assez court finalement sur le GPU-CPU. Et puis après, un peu plus de temps sur une puce audio, etc. Euh, et c'est là. Alors je précise juste, je te coupe la parole. Ouais. En termes de CPU, on est sur un Zen 2, du coup 8 cœurs, c'est ça, euh, 3,5 gigahertz euh, oui. donc le fameux euh, précisé variable frequency. Sur le GPU, on est à euh, 36 euh, unités de calcul, non c'est CU, c'est ça, unités de calcul, euh, à 2,23 gigahertz, ce qui est beaucoup, non, si j'ai bien compris. Mmh. Et mais là aussi euh, fréquence variable. Je précise pour ceux qui ont peut-être pas le tableau sous les yeux, voilà. ouais. Et donc ça donne selon eux le calcul du coup 10,28 Teraflop. Et oui, mais euh, et c'est là où, où Sony fait du Sony. C'est des fois, c'est parfois ce que je peux moi leur reprocher, c'est que euh, ils nous annoncent euh, cette fréquence-là. Elle nous a étonné. Hein. On, ah oui, oui, on oui. était sur le cul. Hein. On oui. s'est dit. Oui, non, parce mais... qu'en face, côté Microsoft, enfin côté Xbox Series X. En tout cas, pour le GPU, on est à 1,825 GHz, qui est quand même entre guillemets, nettement, non, je pense, dessous, mmh. euh, 2,23. Ah ça oui, c'est ouais, nettement en dessous, mais en finalité, aujourd'hui, c'est une très, très bonne, oui. bonne fréquence. En fait, en fait c'est déjà, déjà beaucoup, puisque oui. euh, quand on prend une Xbox One X aujourd'hui, c'est 1172 MHz. Mmh. Euh, et ça, c'est beaucoup, euh, dans le sens où, pour l'architecture de l'époque, c'est beaucoup, et c'était la première console qui avait une, une fréquence pareille. Là, sur la Xbox, on passe à 1825. Euh, donc, c'est déjà vraiment très bien. Et puis, euh, bah, ça nous donne quand même avec les 56 CU, les 12 Teraflops. Euh, 52 temps, CU. 52, 52 pardon. 52, ouais. 56, mais avec 4 désactivés. <laughs> euh, ça nous donne donc les 12 Teraflops euh, attendus. 12,15 ouais. Teraflops. Oui, pardon. Oui, <laughs> d'ailleurs, ça, c'est drôle que tu le dises parce que euh, ce 0,15, il disparaît de tous les tableaux. Oui, oui. je pas euh, si oui. tu vois, je m'étais dit, mais c'était pas 12 piles, normalement, les, les Teraflops. Euh, ben, c'est drôle parce qu'ils disent bien 10,28 mais ils disent que 12 et pas 12,15 C'est ça qui est, est très con, c'est euh... une bonne surprise. On en a oui, un peu plus que 12 en fait. Voilà. Mais je pense que même ouais, Microsoft ouais, 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 parle que... de 12 ouais. généralement. C'est parce que c'est un chiffre rond euh... et c'est plus, 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 plus facile plus à marketer. plus facile à marketer, quoi. Voilà. Ouais, du coup, oui, donc tu l'as dit, c'était 52 unités de calcul sur le, le GPU de la Xbox Series X et donc 36 sur le GPU de la PlayStation 5. Et du coup, j'en profite pour, fait, pour demander quand Marc Cerny dit, oh, est-ce que c'est un troll Est-ce que c'est euh, est -ce est un tackle Est-ce que c'est légitime quand il dit que c'est plus facile du coup à développer sur 36 CU que sur 52 C'est vrai ou c'est un ouais. peu de la mauvaise foi Parce qu'il faut bien qu'il justifie son truc je pense que c'est de la mauvaise foi. Fox euh... <laughs> <laughs> ouais. ouais, va, va, va plus vous en dire, mais ouais. Bah, moi, personnellement, en fait, euh... c'est même pas que c'est de la mauvaise foi, c'est simplement que c'est pas vrai. Voilà. Tu, tu peux balancer ici. Bah, pour moi, quand <laughs> il dit ça. Hashtag balance ton marque, hein, vas-y. Bah, oh, Pascal, bah... <laughs> ben, en, ce n'est pas vrai Voilà, ce n'est pas vrai euh, pas, Ça c'est euh, sûr c est, c est ou vous pas pensez bon... que c'est pas vrai Non c'est sûr Il faut être dev peut-être le comprendre ça. Non okay. alors, il, alors, il veut laisser entendre que des fois Il est plus intéressant d'avoir euh, un, un GPU Plus petit avec beaucoup de fréquences Qu'un gros GPU avec un peu moins de fréquences Si c'était vraiment le cas euh, Les gens ne diraient pas qu'ils adorent avoir Une 2080 Ti et qu'ils ne veulent pas avoir Une 2060, vous voyez ce que je veux dire Au niveau des cartes graphiques Nvidia je veux dire, une 2080 Ti ou même une 2080 a beaucoup plus de CU qu'une 2060 et, et elle fréquence un peu moins. Enfin, il faudrait que je regarde de près le tableau, mais bon. Et bon, pour autant, les performances et le haut de gamme est bien symbolisé par les cartes graphiques qui ont plus de CU. Donc euh, si ce que disait euh, Marc Sani était juste, euh, pourquoi on, 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 retrouverait, euh, mmh. on ne retrouve pas ça sur, euh, sur le marché PC des cartes graphiques milieu de gamme et haut de gamme Donc euh, non, euh, pour moi c'est une manière en fait d'expliquer ou, ou de vendre en fait, le, un GPU 36 heures, enfin 36 CU et, et de le vendre bien, voilà, euh, si en soit après tout à fait normal, il n'est pas là pour dire ah bah oui on en a ah, moins que la concurrence donc effectivement c'est moins bien. Non, il faut effectivement qu'ils donnent envie euh, et, et qu'ils démontrent qu'ils euh, vont tirer le maximum de performance des 36 c pas, Je C'est ce qu'il voulait dire, je pense aussi. Ouais. Mais son allusion, qui est un, une petite pitch-net, effectivement, à, à Xbox, euh, n'est pas euh, juste. Ça, c'est une certitude. Oui, c'est clair. Okay. Après, du coup, euh, concernant... Si, dernière, dernière question, du coup. Euh, concernant, du coup, ce... enfin, ces 36 unités de, de calcul, ou 32, non 36, 36. 36, 36. Euh, 36. Ouais. Euh, c'est quoi l'équivalent, du coup, sur PC Et est-ce que c'est bien, du coup euh, Je veux dire, parce que, du coup, les consoles sont faites pour durer pendant... Enfin, euh, là, c'est certainement la dernière génération avant ouais. de tout dématérialisé. Donc, du coup, euh, ça, ça va durer, genre, pendant 5-6 ans, euh, Alors, les... selon vous mmh... euh... Ah là là. Bon alors l'équivalent ben, on, 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 on pensait déjà pas que la PS4 et la Xbox One tiendraient aussi longtemps. On enfin, fait entre guillemets. Ouais, elles oui, ont oui, quand même. Une... tu vois des jeux comme alors Doom qu ça avec quand, des quand même sur PS4 quoi. Ouais, ouais. Non, du coup non pour pour globaliser. Voilà pour globaliser aujourd'hui bah, en termes de puissance quoi. Alors euh, je vais vous le dire. Donc euh, une PS5 avec 36 CU je vais vous donner euh, la référence à peu près sur ce que ça représente chez AMD en carte graphique et chez Nvidia. Chez AMD, très clairement, 36 CU, euh, sachant que la vitesse à laquelle ça va, euh, à laquelle euh, c'est, comment dire, c'est fréquencé, cadencé. Euh, donc, moi, je vais vous dire, ce sera cadencé entre 2 GHz à 2,23 GHz. Hein, ce sera des précisions sur la fréquence variable, mais sa euh, fréquence vite. Donc, euh, c'est l'équivalent pour moi d'une Radeon 5700 XT. C'est-à-dire que sur le marché PC, AMD 27 cartes graphique avec 40 CU. Mais dont la fréquence maximale est, on va dire, autour de 1950 MHz. Donc, euh, d'un côté, il euh, y a un peu moins de CU, mais plus de fréquence chez, euh, chez Sony. Donc, du coup, on peut vraiment euh, comparer ça à cette Radeon 5700 XT. Pour donner une suite dans la comparaison, la Radeon 5700XT a démontré l'efficacité de son architecture, qui est bien plus efficace que les GCN, donc les précédentes architectures console et, et aussi Polaris Vega. Et ça veut dire qu'on euh, sait sur le PC que la 5700XT, c'est l'équivalent d'une Radeon 7. La dernière Radeon 7 qui était sortie début 2019, qui était la première carte graphique 7 micron d'AMD, qui avait 60 CU et qui était euh, vraiment. Euh, bah, C'est celle qu'on retrouve, par exemple, dans Google Stadia. Ah. Donc, voilà. Ah, a... Ce n'est pas une bonne nouvelle, ça, ça, du ça, coup. Voilà. Euh, 10,7 pas... <laughs> bah, pas une bonne nouvelle pour Google. Mais, euh, mais en revanche, euh, avoir la, la même performance... Euh, qu'une Radeon 7, c'est super parce qu'une Radeon 7 en terra... enfin, oui, en teraflop, mon teraflop GCN, on est d'accord, euh, c'est autour de 13 teraflops. Donc euh, quand on vous dit que la PS5 avec ses 36 CU qui fait euh, 10,23 maximum, mais qui fera aussi sans doute 9,2 euh, teraflop et eh ben, en fait c'est de l'équivalent de 13 en GCN, donc c'est déjà très très bon. Et pour vous donner ensuite l'analogie complète, et eh ben sur le marché de, des cartes graphiques Nvidia. Quand on touche à une performance de Radeon 7 ou de 5700 XT, ça correspond à de la Nvidia RTX 2070 Super. D'accord, donc c'est vraiment, c'est des, des bonnes références. Oui, quoi. ce sont des bonnes références. Il y a plus haut de gamme encore. C'est sûr, et c'est ce qui fait que 36 CU ne peuvent pas faire non plus le miracle de, de, de vendre complètement du haut de gamme, mais en tout cas euh, l'efficience de l'architecture et, et la fréquençage fait qu'on obtient du, du, du milieu haut de gamme, voilà, hein, vraiment. Ouais. Mmh. Et puis après, on, on sait très bien qu'avec l'optimisation et tout ça ça, va, ça, ça peut aller très très loin. Exactement, quoi, donc... mmh. Mmh. oui. C'est assez limite de comparer ça au, au marché des PC, quoi, parce que c'est pas conçu de la même manière au final. Ben, en tout cas, l'architecture totale n'est pas conçue de, de la même manière. Bah disons qu'en euh... comparant. Euh, oui, oui, voilà, c'est assez limite, mais moi, quand je vous donne des références par rapport au marché PC, je prends en compte la différence d'efficience déjà. Donc, quand je vous donne déjà ces cartes graphiques-là, euh, euh, j'ai déjà visé plus haut que ce que le, les chiffres bruts auraient dû donner. Ah, d'accord. Okay. Oui, très clairement. Donc, tu, hein, prends je... déjà en compte, okay, tu prends déjà ouais, en compte que le chiffre brut Je prends déjà en compte soit... l'efficience ouais. de l'environnement console. Okay. Donc, euh, je, je vous vise les bonnes cartes en général. Ok, d'accord. Ouais. Euh, du coup, euh, et après il y a d'autres questions. Quelque chose à dire de particulier, sachant qu'il est, je vois 3,8 GHz sur euh, Xbox Series X, 3,5 sur euh, PS5. Donc c'est un Zen 2 des deux côtés, 8 cœurs. Donc en tout cas, les CPU euh, seront très similaires entre les deux consoles. Évidemment, ils partent sur la même base. Euh, D'ailleurs pour être très précis, et ça on l'a découvert en cherchant un peu plus, euh, on sait même quasiment exactement sur quel type de base ils, sont, bah ils se sont ils ont tablé tous les deux, Sony et Microsoft, ou alors ce que AMD leur a proposé hein, en finalité. Ouais. On est sur euh, la nouvelle base d'APU euh, qu'on connaît sur PC qui s'appelle les Renoirs à Renoir, donc suite des, des artistes comme Rembrandt, euh, ils ont pris des oui, noms d'artistes à chaque fois. À le peintre, oui. <laughs> voilà. Mmh. Et du coup, euh, ce ne sont pas exactement les CPU qu'on trouve sur les PC euh, desktop, mais plutôt ce sont des CPU qu'on retrouve là qui viennent tout juste de sortir hein, sur les PC portables. C'est le grand retour en fait en 2020 d'AMD sur le, le marché portable, enfin. Ils arrivent avec des CPU Zen 2 en 7 microns, euh, où tout est gravé en 7 microns d'ailleurs à l'intérieur de l'APU pour le PC portable. Et euh, en, en ayant la présentation d'Xbox, et je sais très bien que pour Sony ce sera pareil, sauf qu'ils n'ont pas précisé. On a vu qu'il y avait, euh, pour faire 8 coeurs, c'était 2 clusters de 4, c, de, de 4 cpu enfin de, de 4 coeurs. Donc, je disais, pour faire simple, au niveau des CPU, donc on, on a vu euh, sur les, les, les photos qu'a partagé euh, Microsoft de, donc, du SOC de la Xbox 6 que euh, les 8 coeurs se recomposaient en fait de 2 unités de clusters euh, composées chacune de 4 coeurs cpu et donc 2 x 4, 8, voilà. Et ça correspond exactement à la construction euh, donc des, nouveaux, euh, des nouveaux CPU mobiles euh, que fait euh, AMD. Euh, et donc euh, ces CPU sont, sont très similaires entre Sony et Microsoft. Mais là où effectivement la différence se fera, c'est sur le fréquençage, puisque euh, d'un côté, euh, il y a Microsoft qui a réussi à obtenir hein, euh, une, euh, un fréquençage loqué, fixe. Hein, qui est à 3,8 GHz euh, quand on utilise uniquement que 8 cœurs physiques. Et si on veut euh, utiliser euh, les 16 cœurs logiques, donc avec lhyper le, 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 en fait, hein, comme on a chez Intel, eh bien on, on passe à 3,6 GHz, on, on perd 200 MHz. Mais en finalité, c'est pas une si grande perte. L'explication qu'a donnée Microsoft, c'est qu'ils savent pour l'instant que tous les jeux, que ce soit PS4 ou Xbox, sont surtout pensés pour les 8 cœurs Jaguar. Ouais, 8, ouais. Voilà, Sachant que les, les, les CPU Jaguar euh, n'ont jamais eu d'hyper-threading. Et donc, euh, ils, ils ont bien compris qu'au départ, les développeurs sont habitués à travailler sur 8 coeurs et qu'il leur faudra un certain temps à passer à, au multi-threading finalement. Donc, euh, ils, ont lausé, ils ont laissé l'option d'avoir un maximum de, de fréquence à 3,8 au début, pendant les premières années, à, pour utiliser 8 coeurs. Mais quand on descendra à 3,6 GHz pour avoir 16 coeurs logiques, en finalité, euh, Digital Foundry avait fait des tests déjà sur PC. Même en baissant de 200 MHz, on obtient jusqu'à euh, 30% de performance en plus. Euh, okay. Grâce euh, au multisweeding, exactement. Il faut juste... C'est pas fait, du moins, quoi. C'est pas du moins, non, ça devient du plus à la condition que le jeu soit pensé pour. Voilà, tout simplement. Okay. Et comme euh, Sony et, et Microsoft auront euh, des, des cœurs euh, logiques également, hein, Sony aura également le multisweeding, donc forcément, on va y venir. Et donc pour Sony, euh, leur CPU donc, qui sera cadencé jusqu'à un maximum de 3,5 GHz et c'est donc de la fréquence variable. Et oui. Ok, comme ah, le GPU. Comme coup. le GPU. C'est-à-dire que l'un et l'autre vont, vont se balancer, se contrebalancer à chaque fois. C'est ça et on soupçonne même, on avait vu sur les, une réponse de Marc Cerny qui avait expliqué qu'on lui avait posé la question « Mais que se passe-t-il quand on est, on est sur un petit point de rupture au niveau consommation électrique et que du coup le, le voltage, enfin la, la fréquence doit, doit évoluer ?» Il a parlé de euh, bah, il suffit de baisser un peu le fréquençage pour obtenir 10% de consommation en moins, mmh. donc en gros 10% aussi un peu de fréquençage en moins, un peu. Ouais, Et ouais. On, on est en... Enfin moi j'ai fait un petit calcul vite fait. Euh, le CPU pour moi de la PS5 sera cadencé entre 3,2 à 3,5 GHz. Et le GPU de la PS5, pour, euh, pour moi, sera cadencé également entre 2 GHz à 2,23 GHz. Et faisant donc un système de vaste communicant, si le CPU est au max, eh ben le GPU devra tomber à 2 GHz. Mmh. Et l'inverse ouais. se, se confirme aussi. Et à savoir qu que le GPU au max, donc avec 2,23 GHz, euh, franchement, euh, ça ne va être pas être tenable très longtemps pour la console. Donc elle sera... Quasiment exclusivement en dessous. Donc, euh, quand on enlève les 10% euh, évoqués par Cerny, on tombe à 9,2 teraflops. Oui. Ça vous rappelle pas certaines rumeurs, ça <laughs> Ouais, c'est sûr que. Bon. Ouais. Après, euh, c'est toujours pareil, hein. il ne faut pas s'arrêter, comme on dit, forcément aux chiffres purs et on verra après sur l'ensemble le tout. Bien sûr. avec ce fameux SSD, tout ça, il y a plein de trucs à prendre en compte. Ouais. Euh, ceci dit... Du coup, petite question, ils n'ont ils ont pas dévoilé leur système de refroidissement Voilà, et il y a, y a en cette question-là, du coup, ça va chauffer un max en fait. Non, ouais... Euh... Bah, mais à mais il, a, il a quand même pris le temps d'en parler. Et ça, oui, c'est intéressant, parce qu'il a dit, voilà, parler. on le sait, on le sait qu'on n'est pas des oufs sur ça. Mais il a quand même dit aussi qu'effectivement, leur ingénieur, enfin, leurs ingénieurs avaient trouvé apparemment un système qui était très intéressant, et mais bah, sans dire leur, lequel. Euh, leur brevet de pilote, apparemment. Non, non, mais je <laughs> dire, il, apparemment, ils ont trouvé un truc. Mais il n'a pas non, montré mais... quoi, donc après, il faut bah, voir en fait, à ce moment-là. Mais... Il, il en a un peu parlé, et euh, c'est le nouveau paradigme qu'il voulait mettre en... En avant, il a eu raison. Euh, c'est intéressant et ce sera surtout très intéressant pour les jeux first party, encore une fois, parce que justement, toute la puissance de cette PlayStation 5, avec cette puissance maximale de 10,23 teraflops, ou euh, 23, je sais plus où oui, c'est ça, 28. 28, 28, ah merci, bon. 10,28, se verra surtout <laughs> sur, sur les jeux first party. Je m'explique vite fait, le paradigme qu'il utilise, et c'est ce qui se, sera utile pour le refroidissement c'est que au lieu euh, de dire à une console enfin, à, ou même à des outils sur PC euh, Attention passez telle température tu baisses ta fréquence parce que sinon ça va plus ben là il a décidé que le nouveau paradigme ce serait euh, l'iPS5 par exemple je sais pas on n'a pas le chiffre encore c'est 250 watts de consommation au total ouais. et c'est une empreinte c'est l'empreinte euh, alors c'est pas l'empreinte thermique mais c'est l'empreinte de consommation électrique et du coup, euh, tout doit être développé autour de ça. C'est-à-dire que euh, l'ensemble de la console, de ses composants, ne doivent pas dépasser cette cette euh, puissance Watt, on va dire, hein, de, de consommation électrique. Et euh, en, en mettant ça, ça dire, bien en place. Ça veut en dire qu'en temps normal, jeux... sur les autres consoles ou avant, euh, en fait, c'était il n'y avait, avait pas de, 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 de palier euh, Watt, quoi. Genre, on pouvait dépasser et on se basait sur autre chose, sur la température, du coup, pour faire gaffe ou comment. Alors, ça se basait sur, ça ça. Alors bah, sur console, ça se basait sur une température, mais en même temps, euh, il n'y avait pas de, fra... de variation de fréquence. Hein. Les consoles n'ont jamais varié non, leur fréquence. C'est vraiment nouveau d'intégrer ça sur la PS5. Ça fait beaucoup penser quand même au monde PC et oui. smartphone, en finalité. Oui, oui, euh, Moi, oui. ça me fait penser, mais bon, en tant que noob de tech que je suis, ça me fait penser à la résolution euh, qui s'adapte <laughs> sur Xbox One, où ils adaptaient en fonction des trucs. La résolution était plus ou moins... Euh et ouais. ça pouvait passer de 4K en dessous selon les séquences et tout je sais pas pourquoi ça m'avait pensé à ça parce que voilà ça date en fonction de la situation oui. quoi. Bah, mmh. disons voilà, on, on a euh, bon après je, je, je m'engage un peu personnellement mais on a un peu le même principe que sur la PS4 Pro qui a qui voulait vendre de la 4K et qui nous a fait de la 4K ouais. dynamique bon. là et ben on a une intégration dans dans, dans dans le discours marketing ben du teraflop dynamique voilà après, on vend ses armes comme on peut aussi, on bah, va pas leur reprocher ça. En, en tout cas, c'est inédit. Mais si tu veux, en fait, voilà, non, mais c'est pas pour. Ça, être... ça leur permet de dire certaines choses sans mentir, du coup. Voilà, c'est pas pour être... Je suis pas là pour être critique et être gratuitement critique. Ça n'a absolument rien à voir. Mais depuis quelques temps, je crois qu'on avait déjà parlé au précédent podcast et puis on en a parlé sur Web aussi parce que ou même sur Twitter parce que bon, la partie de, de découvrir les leaks sur la PS5, c'était très excitant et je cherchais beaucoup les infos. Qu'est-ce qu'on disait On disait que la PS5 elle s'établait sur un hardware qui initialement était de 2019, qui se basait sur de la 5700 euh, XT ou, ou normale, et que c'était les 36CU. D'ailleurs, là-dessus, bah, c'était tout à fait avéré. Il y a bien 36CU, comme on le disait, depuis déjà euh, presque un an. Et, euh, et les fréquençage on savait très bien qu'il était limité à 2 GHz maximum. Au-delà, il y avait une sorte de rupture, euh, voire c'était un fail. Ça ne pouvait pas aller au-delà il y avait trop de chaleur. Et on se disait vraiment, hein, avec Twins et, et les potes de Waypoint aussi, et puis même d'autres personnes, avec Blue, on disait mais comment vont-ils faire pour réussir à booster la console pour 2020 euh, quand ils savent que euh, rapidement Microsoft a fait comprendre qu'ils auraient beaucoup plus de teraflops En tout cas, qu'ils en auraient 12 quand ils l'ont dit en décembre. Et c'était compliqué de savoir. Et, et je trouve bah, que Cerny a trouvé une solution bah, qui, effectivement, comme tu dis, euh, même si il euh, y a du vrai, du faux, il ben y, y a quand même du vrai. On ne peut pas dire qu'il y a du mensonge parce qu'il y a quand même une, des chiffres qui sont là. Et ben il a trouvé l'astuce de dire ben, on va booster la fréquence du GPU au max, sachant que ce boost de fréquence n'est absolument pas tenable sur une heure de jeu. Je leur redirais même n'est même pas tenable sur un quart d'heure, oui, mais vraiment vrai. pas, parce oh. que sinon on fait vraiment flamber la console. Ça <laughs> ne tient pas. Euh... En gros, ils pourront y aller peut-être pour une séquence spécifique de quelques secondes sur un jeu, quand il va falloir envoyer les... Ils vont pouvoir balancer de la puissance comme ça sur des séquences de jeu qui vont réclamer une charge de travail, une charge de calcul très importante. Et c'est vrai qu'en fonction des moments de certains jeux, eh ben, les charges de calcul ne sont pas les mêmes. Et donc à ce moment-là, sur le 2-3 minutes, maximum 5, mais pas plus, ils pourront concentrer effectivement la puissance sur le GPU et donc diminuer la puissance électrique et donc le, la fréquence du CPU. CPU, euh, parce qu'à ce moment-là, ils, ben, ils ont peut-être vu qu'il y aurait peut-être moins de calculs CPU à faire. Et dans ce cas-là, ils vont pouvoir effectivement dire bah, Voyez, on aligne 10,28 euh, Teraflops, Mais ce sera sur un temps court et je suis convaincu, ça je vous le dis, que ce sera dispo sur les jeux first party. Je vois oui. difficilement, voilà, parce que c'est assez exotique hein, ce principe qu'il veut mettre en place. C'est un pari technique. Osé, mais qui n'est pas sûr d'être gagné. Hein, on est un peu sur de la PS3. C'est-à-dire que les jeux force-party vont bien tirer parti de cette puissance-là et vont pouvoir euh, peut-être effectivement euh, se permettre de vouloir, jou vouloir jou jouer jeu égal avec des jeux Xbox X. Mais les jeux multi, hein, je ne suis pas convaincu que les, les développeurs tiers qui vont développer sur. Xbox One, Xbox Series X, PC, et notamment avec le nouveau DirectX X12 Ultimate, qui est un, un API global que, que vient de lancer Microsoft, qui va prendre en compte tous les PC, les cartes graphiques Nvidia, AMD, Vulkan et les Xbox One dans, un, dans une même logique de développement. Je vois mal les développeurs de jeux multi se dire on va se casser la tête pour adapter à la PS5 en fonction de la consommation électrique précise et, du, et, de, et de des watts à ne pas dépasser pour euh, tirer un maximum de puissance mmh. d'elle. À mon avis, le, la fréquence variable, ils vont pas l'utiliser, quasiment pas. Ils vont mmh. tomber au, au lieu sauf si... oui. Sauf si le marché est là. En fait. ah, est sauf une... si le marché est là. Il y a beaucoup, beaucoup de consoles. Hein. Mais regarde l'époque 360 PS3 où le marché était très équilibré. On a eu vraiment des consoles qui sont quasiment vendues à égalité il a été favorable à ce moment là en termes de jeux multi à Xbox clairement PS3 était en train parce que la console était plus simple à développer oui je dis peut-être une bêtise mais par rapport à ce que tu me dis ce que je comprends est-ce qu'il n'aurait pas pu s'épargner tous ces problèmes là juste en mettant un gros système de refroidissement quoi et bien alors on ne l'a pas vu encore le système de refroidissement de la PS5 mais il va être gros il va être forcément plus gros on a bien compris vous savez il y a eu un article bah vas-y il avait lu l'article l'article euh, bah de Bloomberg. Je me rappelle Sur les plus. difficultés euh, au niveau du prix de la PS5. Ah, ah oui, oui celui-là, il, oui, il est un petit peu... Oui, soi-disant, euh, ça coûterait 450 dollars à produire. Minimum, oui. Donc sans parler de marge du tout. Euh, et la faute à, à, au système de refroidissement. Justement. Pour la petite ah, histoire, ce qu'on... S... Bah, après, la véracité de ça, on ne sait pas trop. Hein. Mais ce qui se dit un peu sur Internet, c'est que mic euh, Microsoft, oulala, l'absence révélateur... Sony. C'est que Sony euh, finalement a dû changer un petit peu au dernier moment euh, son système de refroidissement puisque avec une fréquence pareille sur le GPU notamment euh, il faut il faut un truc de complexe trop risqué euh, je sais pas si d'ailleurs euh, vous avez vu que la... est, est ouais est-ce que c'est pour ça qu'on n'en sait pas plus sur le système de refroidissement je parce pense que ça donnerait des sûrs. indices sur le sur la, sur la gueule de la, la console aussi c'est pour ça qu'on l'a pas vu c'est pour ça qu'ils sont il là-dessus okay. ils l'ont changé euh, tardivement moment. Euh, du coup, ça implique plein de changements, euh, peut-être niveau design. Et je ne sais pas si vous avez bien fait attention euh, aux vues, euh, j'adore d'ailleurs quand ils font ça, les vues éclatées euh, de, des produits Microsoft. Ils font souvent oui, ça. tout, tout, se, tout voilà. se décompose là. Oui. Et donc, la, la série X, on, quand on regarde bien, euh, la, 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 le système de refroidissement, c'est une chambre à vapeur, elle est gigantesque. Plus grosse que, la, gros. que la One X. Hein. Ouais, ouais, oui, beaucoup plus grosse que ce qu'il y a dans la One X. Elle est vraiment très très grosse. Et ça, c'est pour une console cadencée a dansé à 1825 euh, GHz. Donc en théorie, il faut un truc encore plus gros pour la ps 5 bah, Plus gros, je ne sais pas, mais ça, ça prouve déjà qu'il qu faut quelque chose de costaud. Donc je pense que voilà, ils ont dû euh, changer ça assez tardivement, et c'est bien possible, et c'est d'ailleurs ce que disait l'article de Bloomberg, c'est que ça fait... Euh, ça fait voler le prix euh, du du du, ventilo, fin du, ventilo, du système de refroidissement de la console mmh. et donc du prix euh, qu'elle coûte à produire. Donc, euh, bah, on, on pense qu'elle aura une chambre à vapeur, la PS5. Ah, hein. bah, moi, je ne vois pas autrement que cette chambre à vapeur. Hein. Ouais, ouais. Ou alors vendue en kit euh... avec un énorme ventilo. À côté. Ouais, mais alors Donc là, là elle, sera... Sur la console. elle sera l'hélico. Hein. vendu comme chauffage d'appoint. Ah, oui, un oui. petit partenariat avec Daikin, il y a un petit une petite clim avec, va mettre aussi dessus ouais. de la console. Non, je, je sais C'est intéressant à savoir. Du coup, allez, on passe un peu à suivre parce qu'on prend beaucoup de temps là. Oui. Euh, Peut-être le truc un peu euh, putassier et important, RDNA 2, les gars. Euh, c'est du RDNA 2 ça... ou c'est du… Euh, alors, je laisse le twist peu, j'enchaînerai après. Ça, ça nous assure. Je rappelle quand même, pour le précédent podcast, que vous pensiez absolument pas qu'on serait sur du RDNA 2. Pour vous, c'était invraisemblable, au vu de ce qu'on savait déjà. Voilà. Et sachant, là, je résume pour ceux peut-être qui ne s'y connaissent pas trop, qu'a priori, avoir du RDNA 2, c'est censé être, comment dire, un gage de certaines features. Tout à fait. Voilà, OK. Donc, voilà, je vous laisse après continuer. Voilà. Ça, quand on l'a vu, on était un petit peu aussi sur le cul. On s'est dit... On a, on, a, on a loupé quoi Ah comme, oui, moi euh, je me suis dit, Sony a bien caché saison. son jeu, hein, ouais. alors là, euh, on, chapeau On s'est dit, ah, ils ont, ils ont mmh. fait coup de poker, euh, chapeau euh, pour un truc en plus développé en conjointement depuis 4 ans avec AMD et Microsoft, euh, on était un petit peu en mode, euh, que se passe-t-il, qu'est-ce qu'on a raté euh, Mais ce faisant, la partie Ray Tracing notamment, euh, nous commençait à nous mettre un petit peu sur la voie et puis après, euh, certains, certaines réactions sur Twitter nous, des articles, des machins. Bon, euh, il manquait deux trois trucs en fait. La partie ray tracing que Cerny a évoquée, elle est très rapide. Et on sait maintenant que, a priori, selon toute vraisemblance, je prends toutes les, les pincettes d'usage hein, pour pas qu'on qu vienne nous taxer de je sais pas quoi, euh, le ray tracing géré par la PS5 va être assez euh, mitigé. Minoré en tout cas. Voilà. Moins évolué. Oui. Beaucoup. Moins évolué a priori et, que ouais, la Xbox. Que justement, l'inverse, Xbox ont beaucoup marketé et, dessus, misé en disant genre, oui. aucune concession sur le ray tracing. Quoi. Ça, va ouais, être, euh, ça. ça va être du vrai ray tracing de ouf. C'est ça. Et ils okay. ont déjà fait la démo avec euh, Minecraft euh, il y a quelques jours. Et mmh, euh, ouais. en effet, c'est un, un, un ray tracing qui est un full ray tracing. Quoi. Il mmh. est complet et il euh, y a rien. Enfin, il est vraiment de, de qualité. Euh, sur PS5, et Cerny l'avoue lui-même euh, en interview, ça va être difficile. Euh, et du coup, il manque certaines features propres au RDNA 2. Euh, là on... curieux quand même parce qu'ils avaient quand même marketé dessus. Hein. Soit, oui, il, ouais. ils avaient fait les premières infos de la console qui était sur Wired, je crois, le, les toutes premières. Ils avaient déjà commencé à envoyer la sauce en mode ouais, il va y avoir du du ray tracing hardware et compagnie. Fait, je crois même qu'ils avaient du hardware, non ils, Alors, étaient euh, allés ils avaient un, une formule même. assez spéciale, je sais en plus. En fait, sur le quoi. premier Wired, c'était ils avaient parlé de ray tracing, mais ils n'avaient pas parlé de hardware. Euh, c'est dans le deuxième article où ils ont précisé que ce serait du ray tracing euh, hardware dans le GPU. Mais oui, ce qui ne voulait pas ouais. dire grand-chose. Bah, ça voulait dire, euh, ça les... euh, ils, ils intégraient le mot hardware, mais euh, quand on dit dans le GPU, bah, c'est le GPU qui fait du, du ray tracing, euh, mais que ce n'était pas euh, à ce moment-là du ray tracing par des puces dédiées. Quoi. Voilà, ça ne veut pas dire mm -hmm. qu'il y a des puces dédiées à ça dans, dans le GPU contrairement à ce que Donc, normalement on propose... Que quand le ray tracing sera en action, ça va pomper sur le GPU. C'est ça. Voilà. C'est ça, sauf... Parce que vous d'ailleurs. Sauf, la sauf sous condition de faire différents niveaux de ray tracing, puisqu'on sait ouais. qu'en finalité... Euh, et d'ailleurs, Cerny... Euh, tu, tu permets que j'enchaîne Ok, alors <laughs> Parce que sinon il va me taper. Hein. <rire> euh, <rire> Cerny, dans, son, dans ses slides, assez pauvres d'ailleurs. La, slides, la hein. présentation PowerPoint de l'enfer. Ah, oui, c'était hum. pas très joli. Enfin bon, ça c'est un... <laughs> Mais ça c'est le vaillot, euh, on peut pas avoir des belles présentations. <rire> <aussi>. <rire> <rire> Mais bon, tout ça pour vous dire, c'est que... Et je, en fait, Cerny a déjà donné un, un indice, en fait, parce que j'ai remarqué, parce que quand je vous dis, moi, il, quand on vous a proposé le podcast, donc combien de temps on fait, je lui dis, oh, en général, il faut 48 heures pour digérer le truc, parce que c'est comme ça qu'on prend le temps de voir des choses. Et un slide qui a tout dit. Parce que je, je me rends compte que Marc Cerny est une personne euh, évidemment intelligente, un ingénieur, qui dit euh, des choses et qui, qui n'en dit pas d'autres. Parce qu'il y a des choses à pas dire, des fois, hein, pour vendre quelque chose. Et il euh, y a un slide où il a montré le ray tracing. Et ça s'appelait Use of ray tracing. Avec à gauche, on commence à gauche, il y a audio. Puis ensuite, on va de gauche à droite, global illumination, shadows. Évidemment, j'ai l'écran qui s'éteint. <laughs> Reflection et Full Ray Tracing. Et quand vous avez euh, donc euh, ces icônes, il y a une ligne tout, euh, tout le long qui va de gauche à droite. Et cette ligne a un code couleur. À gauche, avec l'audio, on est sur du bleu. Global Illumination, on est sur du vert. Shadows, on commence à, à jaunir un peu. Reflection, on est en orange. Et puis quand on arrive à Full Ray, tra full ray Tracing, on est en rouge. rouge. Ça signifie qu'en gros, c'est la charge de calcul ou la charge de, 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 de travail qui serait demandée à la console. Et surtout, comment elle le gérerait. Moi, je l'ai exactement compris comme ça. Et il ne l'a pas dit, justement. Il ne veut pas le dire parce qu'il ne veut pas dire que le full ray tracing, en gros, c'est complètement Vous en rouge. Ça ne va quoi. pas être alors, trop possible. jeu, peut-être. Et je il voir. a parlé, en fait, qu'il était content de voir que le reflection... Euh, donc, euh, l'usage du reflection pour le ray tracing, donc, c'est le niveau 4... Euh, non, niveau 3 de donc, des différents outils de ray tracing sur 4, euh, ben, il était content, ça n'avait pas trop d'impact sur les performances, ça marchait quand même. Donc ça veut dire qu'il y aurait quand même des impacts et que visiblement euh, le full ray tracing, il ne le viserait pas, c'est ouais. quasiment certain. Mmh. Et notamment, euh, ce qui m'a permis, permis d'être sûr de, de ce que je vous dis là. C'est que quand... On euh, vous en parlera après. Il a parlé de la puce 3D euh, Tempest qui utilise en fait oui. des notions... En, en, enfin, qui utilise du raytracing en fait. Hein, le ray tracing oui. pour faire du, du son en 3D. Oui. Eh bien, euh, quand on regarde ce, ce schéma, on se rend compte que c'est en bleu. Euh, c'est complètement en bleu euh, parce que c'est une puce dédiée. Donc, quand la puce est dédiée, forcément, c'est ultra facile pour la console de faire euh, le, le, le ray tracing. Mais elle, il m'énerve mon smartphone, hein. il me fait n'importe quoi. Là j'étais sur un slide, je ne le vois plus. J'en ai ras le bol hein. Oui je mmh. sais, je, sais, ouais. je dis n'importe quoi. Non, non, il... C'est un smartphone Sony Mais non, non mais c'est le Google de je ne sais pas quoi. Vous <laughs> savez, dès, dès que vous dites OK, il, il démarre alors qu'on n'a même pas dit Google. Non mais il m'énerve, <laughs> il me saoule. <laughs> non tout ça pour dire c'est que voilà, le, le schéma était très clair. En bleu, l'audio, bah oui, puce dédiée, c'est super facile. Et quand on n'a pas des puces dédiées, le full ray tracing, c'est en rouge, donc ça signifie qu'il va pas ouais. taper dedans. Et donc, c'est tout ça qui nous fait dire que finalement, on a un petit doute sur l'utilisation réelle de RDNA2. Oui. Euh, et on a l'impression que c'est plutôt un truc 1.5, mais bon, ils ont brandi oh, est ça. Est-ce que c'est possible, et je dis ça en tant que néophyte, peut-être que certains oui. arrangeront les, les cheveux, est-ce que c'est possible que ça soit bien, donc RDNA2, mais en enlevant certaines features C'est possible ça Alors, bah, pour moi, il y a vraiment deux options. Ouais. Clairement, il y en a deux. Soit Sony a, en fait, du RDNA1. Avec des features de RDNA2, et c'est pour ça qu'ils peuvent se permettre de dire hein, clairement Nous avons du RDNA2. Si tu veux, en soi, c'est pas un mensonge, mais en même temps, c'est un peu faux. Mmh. Euh, mais encore une fois quand on connaît Marc Cerny et euh, le développement de la PS4 et de la PS4 Pro euh, ah, on a vu beaucoup de mensonges donc je suis désolé à un moment donné je peux ce, pas ce être gentil. Ce serait un peu avoir euh... une euh, Porsche avec une motor, un moteur Clio quoi bah, euh... c'est comme quand euh, que la PS4 Pro euh, à un moment donné il disait bah oui il y a 8,4 teraflops sauf qu'il expliquait pas que les teraflops qu'il calculait ils étaient en FP16 donc floating point, euh, floating point pardon, en 16 bits euh, et que en fait on calcule tout en 32 bits en général mmh. et qu'à ce moment là c'était 4,2 teraflops contre 6 pour la Xbox One X tout ça pour dire qu'il y avait déjà une habitude de dire des petits mensonges qui n'en sont pas parce qu'il ne part de pas vérité. De toi, des éléments de langage quoi. Mais des éléments de langage exactement. Oui c'est du damage. Et moi. donc euh, pourquoi je disais ça en fait ça y est j'ai perdu mon fil de, de euh, mon fil conducteur. Ben parce qu'il recommence un petit peu avec euh, en, en disant que c'est du 2. Oui, ah dis, oui C'était du RDNA, RDNA poussé. Voilà, 2 voilà. euh, amélioré. Ou alors, quoi ou alors effectivement moi je veux bien le croire aussi parce que je ne suis pas là pour dire qu'il dit que des bêtises. Aussi, Il est possible aussi qu'il y ait du RDNA2 sans des notions de puces de ray tracing dédiées. Parce que pourquoi pas finalement cette année, 2020, AMD va lancer sa nouvelle gamme de GPU. Donc les Navy série 20. Donc ce seront peut-être des 6700, 6800 pour enchaîner à par rapport aux 5700 et etc. Il y a du ray tracing dedans. Et ça, donc, bah, on, a dit, de on a toujours dit, que le RDNA 2 aura du ray tracing et c'est le cas. Les nouveaux GPU euh, haut de gamme et même milieu de gamme, sans doute d'AMD, euh, auront euh, du ray tracing. Mais pourquoi pas euh, faire des puces également RDNA 2 sans ray tracing Parce que pour vous expliquer rapidement, le RDNA 2, c'est pas que le ray tracing, c'est aussi que les CU, donc les compute units, sont améliorées. Et donc un CU déjà de RDNA 2 est meilleur qu'un CU de RDNA 1. Donc finalement, même si, euh, imaginons Sony, et ça semble être le cas, n'a pas vraiment de puce dédiée pour le ray tracing, si déjà les CU qui sont peut-être véritablement RDNA 2 sont meilleurs qu'ils ne l'étaient déjà en, en RDNA 1, eh ben, il y aura quand même une capacité à nous réaliser euh, certains niveaux de ray tracing qui ne seraient quand même pas forcément dégueulasses euh, sur des jeux bien optimisés PS5. Voilà. Ok. Bon, ça après, va je ne suis pas trop lourd. Euh... Non, 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 mais ça, ça, ça non, se comprend, c'est sûr, mais c'est très clair. Bon, ça sera intéressant à voir. Après, c'est toujours pareil, c'est que le retracing, euh, bon, je pense qu'il y a les, les pour et les contre, entre guillemets, dans le sens où est-ce que c'est utile de faire tout un tintouin sur, sur ce, cette feature-là A priori, Xbox y croit à mort Ah bah euh, c'est l'investissement euh, clair de Xbox, voilà. c'est le pari d'Xbox, mmh. hein, complètement. Mais je, je pense que, je ne sais pas si vous avez vu... Enfin... La question con. Évidemment, vous l'avez tous vu, mais vous vous souvenez donc de la vidéo de Hellblade 2, euh, oui. qui date de décembre dernier. Ce, le rendu est complètement fou. Alors c'est dans le moteur, c'est pas du in-game, mais on n'est pas est loin C'est pas voilà CGI C'est pas de la CGI C'est du in C'est dans le moteur, tout ça fait. Euh, donc le rendu in-game devrait être assez proche, surtout quand on connaît un peu le passif de Ninja Theory. Et ces euh, couleurs, ce contraste je... et tout, c'est le ray tracing, c'est ça bah, y... Oui, il y avait clairement, enfin, sauf si j'ai loupé une, une, une saison, il euh, y a clairement du ray tracing en action, euh, ce qui rend le truc euh, ultra réaliste. Oui, alors qu'ils sont pas forcément tout le temps d'ailleurs dans les couleurs et les contrastes, parce que ça, mmh. à la c'est le mais... HDR. Mais, ouais. euh, mais le ray tracing, on voit... euh, ce sera dans les flaques d'eau, les, les, la manière dont le, une flamme va se répercuter euh, sur le visage, mais aussi sur les cheveux, parce que du coup, bah, un, un vrai ray tracing bien utilisé à fond, la réflexion, ça va vraiment étudier à 100% euh, comment est rendue la lumière en fonction de la surface, de la couleur de la surface et de la texture de la surface. Mmh. En réalité en finalité quoi ouais. c'est ça qui est dingue et euh, voilà je pense que... que la vie réelle tourne à rdna2 Com comment comment ah la oui vie réelle est en rdna2 c'est un peu ça aussi <laughs> mais du coup je pense que le ray tracing quand il va être bien utilisé ça va devenir quelque chose enfin ça va être très dur de commencer à s'habituer à jouer à minecraft avec le ray tracing activé puis d'un coup repasser à minecraft sans tout ça oh ah ben là ça, sera plus possible. Euh, ça va faire mal euh, ouais c'est vrai que ça fait drôle ça fait, ça fait ça fait ça fait presque bullshit finalement quand tu vois la fameuse vidéo de démonstration tellement ouais. qu'il y, y a un gap entre les deux c'est assez ah c'est ouais. rien à voir en fait l'un et l'autre c'est mm. c'est hyper impressionnant ouais, ça, cool. enfin après ça reste comme Minecraft mais oui c'est dernière cool. dernière question concernant le le ray tracing euh, est-ce que vous n'avez pas peur que ça fasse un peu bullshit en fait que ça soit un argument euh, vraiment un peu bullshit parce que quand on regarde sur PC par exemple le ray tracing est absolument pas au point parce que bah, quand tu l'actives, en gros, tu perds 30, 30 fps d'un coup. Quoi. Mais là, c'est dédié et à côté, euh... si j'ai bien compris. Il euh, y a des puces dédiées à côté ouais. du ray tracing qui vont pas bouffer Donc, du coup le GPU de la console. A... Ouais. C'est vraiment prévu pour et normalement, il n'y a, a pas de souci à ce niveau-là. Alors Après, le, le ray tracing sur PC, euh, NVIDIA, ça fait longtemps qu'ils y sont. Hein, 2018. Euh, de, sur oui. le sujet. Mine de rien. Au début, et tu as raison de le souligner, il y avait vraiment des pertes de performance générales importantes. Importante. Oui. Euh, vraiment, c'était un... le truc de bouffer ton machin, il ne te restait plus grand-chose, quoi. Mm -hmm. ouais, je me souviens de Battlefield oui. 5, notamment, où dès que tu activais le truc, c'était fini. Ouais. Plus le temps avance, plus ça s'optimise, oui. et moins les ressources, euh, la perte de ressources, en tout cas, la perte de performance, euh, est importante. Après, euh, bon, si. Peut-être que Fox connaît un peu mieux euh, la partie Nvidia, mais ce qu'on ce qu devrait retrouver sur la Xbox... Alors, je ne sais pas si vous avez vu passer cette info. Il y en a euh, certains aussi, euh, grands fans de euh, Xbox, qui commençaient à dire que la Xbox faisait 26 ou teraflops, 25. 25 Teraflops. Oui. Parce, oui, parce que alors, euh, y aurait, ouais, ce serait l'équivalent voilà. de 13 Teraflops, c'est ça le, le, ouais. la, les, les calculs, le calcul du, du, du ray tracing à part. Alors, quoi. additionner bon, si les deux, c'est aussi. Voilà, c'est stupide. Ouais. C'est nul. Ça ne sert à rien, ça n'a aucun sens. Ok, ok, c écoutez, c'est étant... nul. <laughs> <C 'est> nul. <laughs> cela étant dit, il euh, y a vraiment donc euh, une partie teraflop, finalement qui va gérer le ray tracing et qui s'en occupe à elle toute seule. Euh, L'idée, c'est euh, que le ray tracing et sa gestion ne viennent pas euh, manger sur euh, les 12 teraflops euh, qu'on connaît et que Microsoft market. Euh... C'est vraiment le, le but ultime d'ailleurs d'avoir des des, des des corps dédiés. Euh, Tout à fait dans le GPU. Euh, mais du coup, euh, est-ce que on peut être dans une situation où on perd euh, des FPS et de la performance euh, sur Xbox ben, à tu... cause du ray tracing alors, Moi, je pense pas du coup, mais est-ce qu'il euh, y a quand même un impact Alors, moi, de ce que j'ai lu, en tout cas, bon, là, je me réfère à l'article de Digital Foundry, et puis après, je donnerai une autre, euh, une autre opinion pour te répondre à ta question initiale. Euh, donc, déjà, Digital Foundry il a quand même expliqué qu'il y aurait un peu quand même de perte de performance sur le, le GPU, parce que la partie dédiée euh, de, de ray tracing sur la Xbox. Mmh. Bon, d'une part, ça n'a pas encore été complètement expliqué ni par AMD ni par Xbox. Oui, vrai sont assez il y a discret, encore des oui. éléments euh, imprécis sur l'architecture, très clairement. Hein. Il n'y a pas tout qui a été dit encore. Il faudra attendre le Computex 2020, à mon avis, pour qu'AMD dise exactement voilà comment est fait notre ray tracing, à la différence Nvidia et compagnie. Mais euh, il y a vraiment une partie, ça c'est sûr, euh, dédiée au ray tracing qui va calculer en fait. Euh, toutes les, les, les calculs des, des, des rayons de lumière. Hein. Euh, C'était quoi le chiffre que je t'avais dit tout à l'heure Attends, je l'ai trouvé. Je sais pas. Si, si, on l'avait noté là. Euh, C'était jusqu'à, jusqu'à, jusqu'à. Bah non, je ne le retrouve pas. Il est là. Ah oui, jusqu'à 380 millions d'intersections. Ah oui, non, 380 milliards d'intersections euh, par rapport à la lumière qui peuvent être calculées euh, par le biais de ce qu'on appelle le BVH, le Bounding Volume Hierarchy alors c'est un truc que NVIDIA a d'abord travaillé sur, enfin qui fait partie intrinsèque du ray tracing. Et euh, le BVH, bon j'ai lu ça assez rapidement aujourd'hui, hein, c'est un peu nouveau aussi, hein. c'est une technique euh, qui permet en fait de, de rendre plus efficient le calcul de, du traçage des, de, des rayons de lumière, qui sont donc très nombreux. Et euh, au lieu de calculer une seule scène euh, lourde, eh ben, en fait, on va prendre une scène, la diviser en plusieurs euh, formes géométriques ou du ouais. moins plusieurs niveaux, et euh, chaque niveau va avoir son petit calcul euh, sous la forme d'une un, arborescence. Ouais. Et il y aura l'arborescence principale, et ensuite toutes les petites arborescences qui, qui en découlent. Et euh, ça va simplifier les calculs parce que euh, de la, la principale euh, arborescence va découler une logique de calcul sur les, les plus petites. Et le fait d'avoir du BVH déjà, et que, et que gère la Xbox, c'est la preuve que ce sont des puces de raytracing dédiées. Mais effectivement, a priori, euh, Digital Foundry explique que ce sera essentiellement là-dessus que se portera le calcul de ces puces dédiées. Donc sur le traçage des, des rayons de lumière, et c'est le but de, de, de Microsoft, c'est-à-dire d'obtenir un full ray tracing, en tout cas le plus souvent possible, parce que ça c'est vraiment le haut de gamme. Mais en revanche, les CU du GPU vont, par leur, le biais de leurs shaders, donc le, les ombrages, les textures et aussi de la lumière quand même, vont devoir quand même apporter euh, des éléments de calcul pour ajouter ça par-dessus euh, ces rayons de lumière déjà calculés. Donc euh, ces rayons de lumière calculés, c'est le plus lourd. Et une partie du GPU devra quand même effectivement apporter un, un élément complémentaire de, de, de calcul. Donc ça impactera un petit peu, comme c'est déjà le cas chez Nvidia, mais pas de beaucoup. Euh, et ensuite, oui, pour te, te, en te, cas te cas. répondre à la, à la question principale qu que tu as posée, c'était est-ce que ce ne serait pas bullshit le ray tracing ah, hum. Et je voulais revenir là-dessus, parce que bon là, j'enchaînais un peu sur ce que disait Twins, ouais. mais il y a, bah, depuis hier, on, on est certain que non, ce ne sera pas bullshit, parce que bah, Microsoft et AMD... On lançait en grande pompe, ce que j'ai déjà dit tout à l'heure, le DXR12 ah, Ultimate. Ultimate. C'est-à-dire qu'en fait, la volonté, c'est de uniformiser par l'API de Microsoft l'utilisation du ray tracing avec les développeurs et sur tous les formats euh, qui utilisent DirectX, donc Xbox One, One X, One, euh, enfin, série X. Euh, les euh, GPU AMD les GPU Nvidia et donc forcément les PC et Vulkan aussi euh, sur l'appli Vulkan non non, ouais. non l'appli Vulkan ça c'est à part c'est euh, réutiliser ce que fait lapi Vulkan ils peuvent le, le réintégrer ouais. bon et du coup en faisant ça eh ben ça permet d'uniformiser euh, sur énormément de machines l'usage du ray tracing et du coup bah, ce sera pas du bullshit parce qu'ils vont vraiment s'y mettre Contrairement à ce qu'on pense actuellement avec Nvidia, qui a mis du temps à coucher du ray tracing et qu'on trouvait que beaucoup de performances étaient perdues, ben petit à petit, euh, ça va devenir une norme. Ça va s'intégrer vraiment. Okay. Ouais. Donc Microsoft ne croit pas à l'AVR, mais croit au ray tracing c'est ce qu'il faut bah, retenir en tout cas ouais pour l'instant c'est clairement ça euh, non c'est vrai mais ils ont euh, ils ferment pas du tout la porte à la verre pour le coup mais non pour mais eux, pour non, je dis pas que des conneries hein. <laughs> non, non, bon, bon, en tout cas bon, c'était gros, gros grosse partie sur le racing mais qui est quand même important qui est peut-être l'un des enjeux techno un peu de enfin, en tout cas futur de projets de la prochaine génération de, de consoles. Oui, ouais. sachant qu'on s'est beaucoup ressenti sur Xbox, mais euh, la Là, PS5 que... va faire son ray tracing de toute manière aussi, à différents ouais. niveaux. Euh, mais voilà. Fera... A priori, moins. En tout cas, ça sera peut-être moins, moins poussé, plus poussé plus. que. Il sur, sera moins sur évolué. Xbox, et... qui s'est donné les moyens, voilà. De. de... Voilà. Euh, du coup, euh, on va faire un dernier, un dernier tour euh, spec et après on aura, je pense, vu le, la globalité. Euh, mmh. Peut-être euh, un truc qui est assez important, aussi la RAM, parce que ah oui, euh, oui. à la précédente podcast, on avait parlé de la RAM. Vous espériez avoir, euh, je crois, au moins. 20 gigas, vous espérez peut-être 24, peut 24 euh, loin, arriver jusqu'à ouais. 24 gigaoctets. Et, et on disait, entre temps Ideal 20 euh... euh, idéal 24 et, et raisonnable 20. On et probablement 20, vous <laughs> pensiez. <voilà, rire> et du coup, bah, entre-temps, euh, bah, du coup deux jours avant, euh, finalement, euh, non si, euh, oui, deux jours avant le, 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 le Marc Cerny, euh, en tout cas sa présentation, Microsoft avait donné en détail ses specs, et notamment donc la RAM, et en fait, on s'est retrouvé donc avec 16 gigaoctets, ce qui est et donc nettement dessous de ce que vous espériez. Ça fait un peu plus que la Xbox One X qui était à 12 euh, gigaoctets. Oui, oui. Alors c'est du euh, 16 Go GDDR6, si je ne dis pas de bêtises, ouais. Avec euh, 10 Go qui sont à 560 euh, gigaoctets secondes et 6Go qui sont à 336 gigaoctets secondes. Côté PlayStation 5, on a 16 euh, aussi euh, gigaoctets de RAM, de GD GDDR6, et là par contre c'est du. J'ai pas les chiffres. Ah si, non, j'ai plus les chiffres. Euh... Je sais plus à combien c'est cadencé, c'est autour 400 de ca... 400 448. 448. 448 gigabits de seconde. Mmh. Ouais, 448, voilà. Donc euh, là, une déception, du coup, de l'autre côté en tout cas, côté Xbox d'abord, déception bah, Au début, on s'est dit. Euh, bah, oui, moi, oui moi, un petit peu quand oui. même. Moi, je <laughs> me suis dit, bah, euh, bon, bah, ok, oh, ils, ont, ils, veulent, ils veulent vraiment vendre la console à 500 euros. Pour moi, c'était ça. Oui, euh, bah, ils, ils, je, je pensais qu'ils ont que on... raboté là quoi. ils ont raboté à ce jeu-là. Euh, je oui, je pense. Ils, je pense. Ils se sont oui, oui. dit, euh, oh, on met 16, euh, elle tourne pas mal, enfin, en tout cas, pour 10 gigas d'entraide, dans, dans euh, ça tourne pas mal. Euh, et puis, euh, peut-être qu'ils se sont dit, si jamais on fait une mid-gen encore dans 4 ans. Euh, on pourrait en mettre un peu plus et dire hey, regardez c'est mieux. Mais, euh, mais sinon passer le, le chiffre brut euh, voilà de 16, un peu, un peu des, sur un décevant coup. sur le moment parce qu'on mmh. s'attendait un peu mieux. Euh, la construction euh, qui elle, de, bah, la construction même de, avec ces deux vitesses de 10 gigas à 560 et 6 à 336, 336. Euh, alors, ça, on l'a pas vu venir du tout. Ah ouais, moi je me suis dit, mais ils ont fait comment Et la quand question c'était comment, euh, <laughs> comment ils ont fait Comment c'est possible d'avoir deux fréquences comme ça, enfin euh, deux fréquences de non, deux euh, bandes, passantes deux bandes passantes différentes D'ailleurs, il n'y a pas encore eu l'explication, je l'ai ouais, cherché, je ne l'ai pas, pas encore vraiment, trouvé. On n'a pas vraiment compris encore ah, comment ouais. ils ont réussi à faire ça. Euh, vous voulez dire au niveau matériel Oui, au niveau matériel pour nous Bah oui, parce qu'actuellement, ouais. euh, quand on met 10 puces euh, de GDDR6, ce sont 10 puces qui sont en 32 bits. Donc 10 puces x ah oui, 32 égale 320 ça. bits. Ça, donne, ça vous donne le bus, hein, 320 bits. Ouais. Et à ce moment-là, 320 bits, c'est égal à 560 gigabits secondes. seconde. C'est un calcul à faire que je ne vais pas vous détailler, mais c'est très facile à trouver ce, ce chiffre. Et... peut-être que certains qui vont nous écouter ont la réponse. Euh, bah, on en tout cas, est oui, 6 mais... gigabits à 336 gigabits seconde, ça correspond à 192 bits en, en bus. Et du coup, je ne sais pas comment ils font, là, je n'ai pas. pas capté. <laughs> mais bon. <laughs> mais du coup, ce n'est pas con. Euh, J'ai entendu certains dire euh, faire une espèce de moyenne des deux euh, bandes passantes et euh, en disant, ouais, bof, euh, au moins la, la PlayStation, elle est plus constante, même si c'est un tout petit peu en dessous encore. Oui, mais en fait euh, non, euh, non. Oui. parce que du coup on a donc 10 Go à 560, et c'est très important parce que c'est une bande passante qui est assez, euh, assez folle. Oui, enfin il fallait absolument dépasser 500 Go et tu vas ouais. expliquer pourquoi. Oui, ouais, il fallait vraiment une bande passante importante. Ça c'est ce qui va gérer le plus, le plus dur euh, finalement des, du visuel des, du visuel d'un jeu et c'est important parce que justement comme on, on en parlait précédemment il y a du ray tracing notamment. Euh, et ça, ça va, être, ça va demander une bande passante importante. C'est lui qui demande cette bande passante. Ouais, ouais. Oui. Il, est, il est gourmand sont sur ce genre de détails. Et Microsoft, euh, du coup, a, a bien, bien anticipé euh, là-dessus. Euh, et les 6 Go qui restent à 336, eh bien, on a 2,5 Go qui vont être réservés à l'OS. Et euh, les 3,5 restants, vont gérer des tâches un peu moins lourdes et qui ne nécessitent pas une bande passante de fou, le son, ce genre de choses. Et les calculs du CPU, d'ailleurs, qui ouais, en demandent ouais. moins aussi, de bande ouais. passante. Donc, du coup, ce n'est pas totalement idiot d'avoir séparé les deux. Et euh, bah, je pense que c'est aussi... ouais reste <laughs> à savoir comment. Oui, on reste à savoir comment. Et je pense que c'est aussi donc, une façon, en plus d'avoir mis que, entre guillemets, 16 giga euh, de, de faire des économies aussi euh, sur ce niveau-là. Ah bah, les que, économies euh, d'échelle, hein, voilà, bien sûr. Oui, oui. Complètement. Donc, euh, Finalement, ils rabotent un petit peu sur ce segment-là de la RAM, mais sans, sans trop se pénaliser. Bah, moi, je, je, je compléterais aussi euh, que c'est pas. Ils, ils ont raboté, mais là, et c'est là que Sony et Microsoft se retrouvent sur la question, parce que Sony aussi a 16 gigabits de GDDR6. Bon, à 448 euh, gigabits secondes, parce que le bus euh, est moins rapide, hein, 256 bits, donc forcément ça influe sur la bande passante, c'est automatique. Hein. Ouais. Euh, parce qu'en fait, clairement, je peux vous le dire déjà, euh, ça, ça, même si on ne l'a pas vu, euh, la, la PS5, sa carte mère, elle aura 8 puces euh, de 2 gigas euh, de, GD, de GDDR6, parce que 8 fois 32, ça donne 256 bits. Voilà, donc c'est facile à voir, il y a 8 modules contre 10 euh, sur la Xbox. Et euh, là où se retrouvent Sony et Microsoft, c'est que voilà, 16 gigas voilà, petit joueur, parce qu'ils veulent pas faire payer trop cher. Mais ils ont tous les deux trouvé l'astuce. Euh, on va dire que les, les, les grands esprits se rencontrent avec le SSD. C'est le SSD clairement, ouais. autant sur la console de, de Sony que Microsoft, qui va compenser en fait ce petit manque de mémoire. Parce que, comme on vous disait, on aurait espéré 20 à 24 gigas pour être complètement à l'aise. Et eh bien c'est euh, des deux côtés, le SSD qui va réserver donc une partie euh, jusqu'à 100 gigaoctets d'ailleurs euh, chez Xbox. Xbox. Je ne sais pas combien pour, euh, pour la PS5, mais ils vont... une partie donc du, du, du SSD va, va être utilisée comme mémoire tampon, une sorte de, de grosse mémoire cache euh, qui sera utilisée en même temps que, que la mémoire vive. Ouais. Et c'est là que c'est intelligent, on compense les 16 gigas grâce au SSD qui est tout nouveau dans une console. Et on garde un prix de vente euh, plus raisonnable. Ok. Bon ben, euh, donc on n'a pas trop trop de soucis à priori. En tout cas pour le début, peut-être à se faire euh, sous la rame Non, je pense pas. Ouais. Non, ça va. Ça, devrait... mmh. Non, non, ça ira grâce au SSD. Il n'y aurait pas eu le SSD, ce serait plus embêtant. Ok, bah du coup, je crois qu'on a fait un bon tour euh, des specs. Euh, il reste, bon, bah, on s'en fiche un peu, mais euh, la PlayStation 5 va enfin avoir un lecteur Blu-ray 4K, il est temps, surtout ouais. euh, quand on sait que c'est Sony derrière. Euh, mmh, évidemment, la vrai. Xbox Series X aussi, mais c'était déjà le cas de la One X et de la One S. Euh, et après, je crois qu'il n'y a rien d'autre de très spécifique. Ah si, petite question très rapidement, mmh. au niveau du son. Je crois ah oui, c'est vrai, pardon, des, le trucs au temps. niveau son. Ah ben bah, oui, sens on n'en a pas parlé, oui, oui. Ouais. oui. Alors, ils, ont... ils ont passé beaucoup de temps. De oui, sujet. ils en ont fait Un des... Bon des caisses. Hein. <laughs> euh, donc il y aurait une puce... Euh... Enfin, en plus, oui, c'est une puce dédiée. Finalement. Oui, c'est une puce dédiée Puis complètement. Ça... enfin, ah, oh là là, c'est compliqué. Non. Ah non, j'ai lu l'article aussi. Oh là là. <laughs> je n'arrive pas encore à savoir. Bah tempeste, oui, la puce tempeste. Ouais. Alors, il y a une question. Hein. Après, Arnaud, enfin, je te laisse poursuivre. Euh, c'est euh, soit il y a une vraie puce dédiée à part qui est basée sur euh, du compute unit d'AMD. Et donc c'est en plus des 36CU, soit, et c'est ça qui n'est pas clair, euh, parce que euh, Marc Cernier a dit, c'est un compute unit auquel on a enlevé la mémoire cache, euh, on lui a fait un accès direct à la mémoire, euh, je ne sais plus laquelle, enfin bon, ils ont modifié le CU pour pouvoir faire cette puce cette 3D audio. Donc est-ce que c'est 36CU moins 1 parce qu'il y a un CU réservé à, à l'audio, ou est-ce que c'est 36CU plus 1 bon, Voilà, je sais pas. J'arrive pas hum, à trouver l'explication. Le, aucune idée. Et concrètement, euh, qu'est-ce que... Enfin, vas-y, Twins, tu voulais dire un truc peut-être par. Euh, euh, écoute, attends, je, je suis en train de perdre mon idée. Euh... Parce que <laughs> j'ai vu que La eux, tempête. ils misaient pas sur le Dolby, euh, Dolby Atmos déjà. Oui. Ils étaient passés outre. Alors, euh, ouais, 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 c'est vrai. Apparemment, ah, c'est pour une et... histoire de licence entre guillemets et ouais, euh, déjà, de ouais, canons dessous. Mmh. Et après, il y a une histoire de canaux dans le tri, Je sais pas quoi. en Voilà. Je suis 32 ou 36, je sais plus, ou ouais, 32 canaux. Parce que la plupart des gens, j'ai vu là, qui sont un peu arrêtés sur ça, ont l'air super emballés euh, parce que ce que prépare euh, la PS5 à ce niveau-là, ils ont l'air d'avoir pris oui. un, un vrai soin sur le, le son. Oui, il paraît que, ça, euh, que la, la 7 puce uh, Tempest euh, peut gérer jusqu'à 5000. 5000 5000. Comment 5000 canaux. Oui, 5000 canaux. Ouais. Euh, C'est impressionnant, monsieur. non mm -hmm. euh, Oui, mais alors, euh, je me demande quel jeu va utiliser autant à quel moment je veux Dire c'est 5000 canaux en simultané ouais. ça, oui. à quel moment ça fait sens d'avoir euh, un truc aussi balèze bah, oh je me fais un peu l'avocat du diable mais ouais. peut-être euh, qu'il y aura une, une sorte de jeu un peu expérience qui à un moment donné justement vu qu'il y a cette possibilité là va tenter des trucs vis-à-vis -vis du son quoi. peut-être oui, peut oui. Ouais, mais et ça, serait, ça serait intéressant <laughs> de, 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 de voir ça et de tester tout ça euh... Parce que moi j'ai l'impression entre le SSD donc, qui, euh, qui a une sorte de délire un peu euh, on veut que les choses aillent vite et, euh, le son où ils ont pris vraiment ce soin-là par rapport au son, il y a un côté un peu je trouve avec cette PS5 un peu genre l'expérience du feeling quoi, genre comme si vous voulez... Euh un peu pousser un truc sur le feeling, c'est-à-dire que euh, ça sera plus du feeling que de la puissance brute, quoi. alors que derrière Xbox, ah ben, c'est l'Emotion ce Engine 2.0. <laughs> mais tu sais, c'est parce que Marc et Marc, on est un peu... <laughs> oui. La communication de Sony, on avait beaucoup présagé qu'elle qu tablerait là-dessus. On savait que la puissance brute, il ne l'auraient pas, et c'est une confirmation. Et on savait très bien qu'à un moment donné, ils axeraient à, à ce moment-là la communication sur la sensation et euh, l'immersion. Mmh, mmh. Sur finalement, ce que leur, un petit peu leur cœur de métier quand ils développent des triple A, c'est des, des expériences narratives entre guillemets, quoi. même si bon, ça reste que du jeu vidéo triple A ouais. euh, un petit peu bête et méchant, mais eux le considèrent comme mmh. des expériences narratives et en fait... Ce qu'ils font avec leur PS5, c'est un petit peu la même chose. Quoi. Oui, c'est en gros euh, accès totalement à la console, enfin euh, je... leur communication en tout cas de la console vers, vers les jeux qu'ils développent dessus. Ça quoi. va être euh, de la com et ça, ça marche plutôt bien. Les gens parlent de Tempest, ouais, c'est génial, c'est formidable et ça l'est euh, probablement. Il oui. n'y a aucun souci. En revanche... Bah, c'est une manière de vendre les choses aussi, après c'est bien. Comme je l'ai dit, il faut, ouais. Mais... faut qu'ils mettent en avant leurs, leurs avantages quand même. On a... ça a pas, va pas ah bah leur... oui, c'est sûr, sinon il n'y a plus grand-chose à dire, c'est clair. Mais euh, on a l'impression <laughs> que c'est un peu... Ça me semble... Vachement, ils axent beaucoup là-dessus, donc euh, à voir ce que ça donne réellement. Mais 5000 canaux gérés, ça m'a l'air dans la disproportion totale. Et au final, à côté, euh, on a l'impression que du coup, par effet euh, d'annonce, que Microsoft n'a rien du tout sur, euh, rien prévu sur ce créneau-là, alors que non. Il y a vraiment des technos euh, qui ça fait longtemps qu'ils bossent dessus, d'ailleurs, avec le projet Acoustics, qui va notamment utiliser le ray tracing et, et ce genre de choses. Euh, il bosse vraiment aussi sur le son. Euh, donc il y, y aura. Une puce dédiée aussi. Mmh. Une puce dédiée, tout à fait. Mmh. Euh, que ce soit d'un côté ou de l'autre, il y aura une amélioration sur le son. Il ouais, y, y a le Dolby Atmos sur Xbox. Aussi. C'est encore. Ouais, euh, et sachant que, que j'ai de... vu pour certains que c est, c est le fait que ça ne soit pas sur PS5, c'est un vrai défaut. Quoi. Il y en a vraiment qui disent. Euh, oui, pareil. Ouais, c'est ouais, pas possible de ne pas je... avoir de Dolby Atmos. Quoi. Ouais. Ouais, je n'ai je pas de jugement là-dessus. Moi, j'en ai moi, pas. Je... Voilà, ouais. Ouais. On ne l'utilise pas, pas. trop mais... non plus qu'aller dans ce domaine-là, donc je ne sais pas les avantages et les défauts que ça a à l'œil l'autre. Mais du concrètement, Ouh. du coup, euh, ouais. si vous pouviez très rapidement ouais. répondre à la question, euh, qu'est-ce que ça va donner cette puce justement sur la PlayStation 5 bon. est, Concrètement, qu'est-ce que ça va faire Concrètement, moi je, je vois déjà là, une application très précise euh, de cette puce et c'est en ça effectivement quand même qu'elle sera sans aucun doute peut-être meilleure à ce que proposera peut-être la série X. Hein, sera, euh, une puce avec euh, autant de, de, de canaux ouais. possibles. Moi là où je Voir l'application, et eh ben c'est là où Sony va continuer d'investir parce qu'on en est certain c'est le PSVR. Le PSVR, d'une part, sera compatible avec la PS5, et ils vont nous développer, c'est une certitude, un PSVR 2. Et je pense qu'à ce moment-là, dans le cadre du jeu en PSVR et réalité virtuelle, une telle puce, la Tempest, va permettre effectivement d'augmenter encore l'immersion dans le jeu, puisque avec euh, les yeux collés sur un écran où on est en réalité virtuelle, et bien si le son suit complètement et qu'il est extrêmement perfectionné, oui, et bien oui, là, ça, ça, ça correspond à ce que Sony va, va, va marketer et ouais. vendre. Et je, suis, et je trouve qu'ils ont raison aussi de le faire. Hein. Euh, à un moment donné, quand on, quand on a euh, objectivement, hein, et là, ce pas du troll, euh, quand on a objectivement moins de puissance à donner, parce que ce sera quand même le cas, on ne me fera jamais dire le contraire, euh, on doit aussi savoir ce qu'on peut vendre d'autres. Et s'ils ont décidé, eux, et c'est le cas déjà depuis la PS4, de vendre un peu plus de l'immersion parce que c'est un choix, ben, c'est très bien d'avoir fait cette puce tempête, parce que effectivement, à un moment donné, il, il faut savoir ce qu'on vend. Je veux dire, regardez euh, dans un autre sens, un hein, Nintendo qui n'a aucune puissance, il vend autre chose que de la puissance dans, 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 ah bah oui. dans ses ah ouais. jeux, tout ça. Chacun a décidé de vendre quelque chose différemment. Donc, à un moment donné, euh, on ne peut pas critiquer. Euh, quelle que soit la puissance, les choix de chacun des constructeurs. Euh, Microsoft fait le choix visuel sur le ray tracing et Sony va faire un choix là, notamment euh, sur les accès rapides et, et l'audio extraordinaire. Mmh. Voilà. Ouais, bon. vrai. Ben, voilà. ben, donc la console du feeling, mm -hmm. comme je le disais. Très bien. <laughs> et donc j'aimerais euh... bien. J'étais un peu déçu de ne pas voir la, la DualShock 5 avec des retours aptiques Peut-être. Euh, on n'a pas vu. Ils en ont pas parlé de la manette encore. j'aimerais bien ouais, la voir ouais, parce bah, que ça, ça devrait que ça suivre la logique. Du hein. coup... Euh, oui oui, bah, de, avec ce fameux, et ces fameux gâchettes optiques et compagnie mm -hmm. euh, D'ailleurs, est-ce qu'on sait si les accessoires de la PlayStation 4 seront compatibles euh, sur PS5 Oui, je crois je crois ils l'ont ah, pas... ont... si, si, oui, confirmé. Oui, si. D'accord, ah, c'est euh, compatible. passe Oui oui, c'est bien ça. C'est très on bien, sait, bien ça oui. du coup. Ouais. Euh, bon, ouais, du coup, merci. Euh, je crois qu'on a fait le tour. Euh, bon, il y avait on en parlait d'IT au début, mais il n'y a rien de très important à dire dessus. Pour la rétrocompatibilité on ouais. espérait, il y avait des rumeurs qui parlaient que ce serait full rétro euh, de et la oui. PS1 à la PS5, enfin, la PS4. Ouais. Euh, C'est pas le cas, ce sera du coup uniquement à la PS4. Et. Euh, pour le commencement, en tout cas, une série de jeux, une centaine a priori de jeux. Ça. Et après à terme, ils ont dit là, ils ont montré sur un, sur un communiqué, ils voulaient qu'à terme tous les jeux PS4 soient rétrocompatibles rétro compatibles. Moi, j'ai un peu du mal à comprendre pourquoi c'est pas de base rétrocompatible. Alors, euh... l'excuse officielle, je crois que c'est parce que le, le SS... enfin le, leur SSD euh... est trop rapide, est trop rapide. Bon. <laughs> je, je veux bien croire possible, que ça rend un peu plus compliqué non, la chose, non, pour mais pour moi, c'est pas possible. Y a ouais, ça, me semble, ça me semble un peu tiré par les cheveux. Euh, après, euh... non, c'est au niveau software. Ils sont pas encore tout à fait prêts sur certains jeux, j'imagine, peut-être. Bah ouais, mais ils ont l'air assez en retard en fait là-dessus. Mm -mm -mm. euh, on pensait qu'ils bûchaient, nous, dans notre idée, on, avait, euh, on, on pensait qu'ils bûchaient vraiment fort là-dessus euh, pour être prêts. Et au final, euh, ils arrivent avec son jeux et encore. Bon, ils, ils pas bon quelque part, c'est cohérent avec leur discours sur la PS4 où ils disaient bon, pff, la, la rétro, euh, voilà, c'est pas hyper important, bah apparemment, c'est pas hyper important. Ben, <laughs> ils ont ouais. pas l'air d'avoir dit vraiment <laughs> le, les bouchées doublées Je, je pense que ah. ce que Microsoft a fait sur la génération One, c'est-à-dire euh, annoncer donc la rétro en cours de route et à ajouter des jeux au fur et à mesure, c'est ce qu'ils vont probablement faire euh, tout du long. Euh, Parce, ouais, ils vont se rattraper plus tard, quoi. Oui, ils vont y aller tout ben, doucement. prévu, quoi. Ouais. Ouais, ouais. Je pense qu'ils vont faire pareil. Okay. Sachant que voilà, sur Xbox One, euh, tous les jeux Xbox One seront rétro-compatibles et euh, tous les jeux 360 et Xbox Pro du long qui sont déjà au moins rétro-compatibles euh, sur Xbox One le seront aussi du coup forcément ouais. sur Xbox Series X et peut-être mm -hmm. même d'autres. Du coup, j'imagine qu'ils vont peut-être encore, euh, encore étoffer le, le catalogue. Voilà, à terme. avec des améliorations. Euh, alors, dernier, dernier point et vraiment on arrête sur ça parce que là, il est déjà assez long le podcast, <laughs> on, on va pas vous retenir plus longtemps. Euh, allez, on va se jouer un peu boule de cristal. Le prix euh, vous imaginez quoi On sort ouais. dans la PS5. Bah, la PS5. Est moi, je vais laisser euh, Twins parler. Si... Ouais. Bah, vous voulez commencer vous d'abord peut-être sur le oui prix, si hein. vous avez des idées. tant que, que nous... <laughs> ah, Diego parce que Diego il parle pas depuis tout à l'heure mais je sais qu'il est là. Ah, il... Enfin, non il dormait Diego. Ah. <laughs> 450 euros pour, pour la PS5. 5, okay. coup, pour la PS5 ouais. okay. bah, Putain moi je dis pareil 450. Ouais. ouais. Je pense la même. Ouais, ça, ça va être ça va être compliqué à marketer s'ils si font du 500 euros et qu'ils euh, qu ont une puissance un peu moindre que la... Moi ça me semble le com bon compromis, parce que 450 ils sont probablement en dessous évidemment de la, la X-Series X, qui moi je la vois en tout cas à 500 je mmh. pense euh, euh, au 499 <laughs> oui évidemment voilà mmh. donc ils seront en dessous mais ils ne rogneront pas trop en étant à 400 ça leur ferait peut-être trop, trop de, de, de ouais. rognage sur le prix quoi mmh. donc moi je la vois bien à ce niveau là et vous du coup vous deux vous, vous un peu c'est un peu la même idée euh, il oui. y en a qui estiment parce que du coup oh là, là Sony a dû changer le, le système de refroidissement le SSD coûte cher etc qu'au final elle pourrait être au même prix j'y crois pas un instant non, non c'est euh, dangereux et c'est dangereux même pour Microsoft parce que euh, je pense que ça va faire partie du marketing de Microsoft de dire qu'ils ont encore la console la plus puissante du marché. Et bon, attention, parce que souvenez-vous, si vous vous souvenez de l'E3 2005, si je ne dis pas de bêtises, oui. c'était aussi l'argument de PlayStation. Hein. Quand ils sont arrivés en disant la console elle sera à 500 ou 600, parce qu'il y avait les deux modèles à l'époque, la PS3. Je me souviens, je, je revois encore. Euh, c'était Kaz, non, je sais plus. Si je crois que c'était Kaz à ce moment-là, Kazirai, qui disait genre, bah, attendez, 600 euros, enfin, ou 500, mais ça les vaut. Euh, genre, euh, parce que vous allez avoir un truc de fou, euh, c'est plus qu'une console, machin, ouais. truc. Ouais, et, et ça avait été mal pris, ça avait été mal reçu par les gens. C'est qu'un ouais. euh, demi-smic, les gars. Ouais, gars, ouais ça, c est c est non, mais ça avait été vachement, vachement mal reçu. Euros, donc, faudrait peut-être pas que Xbox amuse trop à ça aussi, à dire ah non, genre, non, ouais, non, non, elle est chère, les gars, mais parce que c'est la puissance brute. L'idée. Euh, avancées par certains comme quoi elles seraient au même prix. Je pense que c'est pas vrai parce que il faut qu'il y ait une toute même une toute petite différence juste pour marquer le coup, dire ok nous c'est un tout petit peu plus cher mais c'est justifié. Alors il y en a qui On parlent de 50 euros d'écart. à l'époque, voilà, c'était pas justifié. Ouais, mais pas là, justifié. Là, là ils vont plus opter pour voilà. une politique de, de placement de produits à, à la 1X ils vont plus aller sur du produit premium oui. que, que sur et, la one standard à l'époque et c'est mmh. une des, un des grands changements entre l'époque PS3 avec à 600 euros et maintenant déjà on retrouvera plus jamais et ça ça ouais, on a vu que ah, c'était psychologique euh, ça n'arrivera ouais, pas ça n'arrivera mmh. pas mais en revanche <laughs> ce qui a changé c'est qu'à l'époque enfin euh, on parlait on parle encore toujours aujourd'hui souvent de prix psychologique à 400 tout le monde dit, ouais, ça fait des merveilles pour Sony, 400, 400, 400, 400, c'est vraiment le prix. Euh, mais je pense, et notamment grâce à la One X, tout doucement, l'idée de payer 500 euros pour sa console, si elle, les performances suivent derrière évidemment, c'est plus déconnant. Et, euh, et c'est limite une, une image de marque un ouais. petit peu derrière. Et c'est limite la garantie produit, finalement d'avoir quelque chose qui va tenir la ça. route un peu plus longtemps. Euh... C'est le même positionnement que pour leur pas d'élite en réalité, c'est ça qui, oui. qui, quelque part, est un pas de cher, mais, oui. mais il a ce positionnement euh, de, de, de catégorie supérieure, mais oui, tout à fait. Bon, sauf qu'au bout de six mois, les caoutchoucs se barrent <laughs> en dessous, mais sinon, ça ouais, à peu près ça. Non, pour mais il ce côté un peu genre, <laughs> c est, c est euh, genre le vin comme un produit euh, élite, justement d'ailleurs, le nom le dit élite, donc. Ouais. Dire, euh, réservé à l'élite, et peut-être que ça donne envie aux, aux mecs qui, qui se considèrent peut-être pas comme un gamer ou, ou parmi l'élite de se dire Ah, tu vois, genre, je, un peu comme je, tu t'offres une Rolls Royce, tu t'offres une, euh, une Xbox One, genre euh, tu, tu te fais plaisir et tu t'offres un peu le truc euh, haut de gamme. quoi C'est vrai que c'est un peu ce côté-là euh, de mettre un prix un peu supérieur. quoi Oui, il y a, y a cette idée-là. Et puis, euh, souvent. Il y a en... peut-être la série S aussi qui arrivera oui. et qui permettra d'avoir une entrée de gamme euh, oui. en tout ça. Et je pense qu'elle arrivera vraiment. Alors, quand c'est un peu compliqué à dire, un pas de, pas Day One déjà, an, ça c'est clair. Ouais. Euh, Peut-être un an après, ouais. Et l'idée c'est de prendre en, en sandwich euh, Sony, enfin hein, au, voilà, oui. au niveau du prix, au niveau du la gamme tarifaire. Ils seront entre 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 Sony en fait, mm -hmm. plus cher avec la série X, moins cher <laughs> avec la série S. Euh... Ce on appelle une tournante un voilà ah. <laughs> dans la cave <laughs> Allez, grosse là, ambiance cave. comment finir le podcast <laughs> sur une, une bah meilleure oui. citation ouais, bah, il faut tiens, écouter bah alors, ce podcast euh... aux alentours de 20h comme ça quand on arrive à ces heures là <laughs> bon, on peut dire des <laughs> choses euh... bah, enfin, moi en tout cas je suis en tout cas de, de, de vos avis respectifs aussi ouais. moi je suis assez convaincu que euh, au début il y, a, enfin, il y a encore un an de ça je disais beaucoup que la PS5 arrivera à 400 parce que c'était vraiment les, ouais, ouais. le prix qui faisait beaucoup du café enfin, du je, bien à ce Mais à je pense qu'ils bon ont quoi. essayé. Ils ont essayé de le faire à 400, mais avec tout ce qu'ils ont rajouté ces derniers temps, augmenter le fréquençage, améliorer le refroidissement et tout ça et que ça coûte cher, je suis vraiment vraiment quasiment convaincu qu'on aura une PS5 à 450 euros voilà, et une Xbox Series X à 500 euros mmh. on aura 50 euros des à, 40 a priori on n'aura pas le prix de la PS5 avant d'avoir euh, celui de la Xbox parce que oui oui mais clairement de la Xbox, moi je suis quasiment sûr qu'on va être sur ça 450 500 mmh. quasiment sûr Ok bon on prend les paris on verra et si on n'a euh, pas de 5, chance 550 euh, mais bon de... ah bah bon, oui, 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 oui c'est la marge ils 500 c'est pourquoi fait, je pense ouais. plus à 500 pour la Xbox Series X parce que justement ils sont à 16Go de RAM pour moi ça m'a convaincu qu'il serait à 500 oui c'est vrai que ça va aider parce mmh. que là franchement ça aide ouais mmh. complètement d'accord bon ben bah, je crois qu'on a, a terminé pour cette fois pour ce deuxième je podcast crois. une fois de plus Merci euh, d'avoir répondu à l'invitation aussi rapidement, surtout parce qu'on mmh. vous a laissé encore peu de temps pour réagir. Mmh. Euh... Oui, parce qu'en plus il y avait le Covid 19 en plein milieu, alors euh, voilà quoi. Ouais, les en boules, plus, hein. euh, non mais nous, euh, confinement <laughs> ou pas confinement, on est là, podcast, euh, y a pas de soucis mmh. Euh, merci aussi du coup à Diego pour tes nombreuses interventions et merci à Baybull pour tes <laughs> nombreux je suis là, je suis pas là. Pour tes nombreuses déconnexions, du coup. En, <laughs> en fond, il est beaucoup parti revenu, donc voilà, merci. Ouais. Euh, et peut-être du coup, si y a un prochain podcast, ce serait peut-être bien une fois de vous inviter dans un cadre un peu plus un peu moins spec. Un, spe un, un, ouais, <laughs> un, un cadre voilà. où je connaîtrais rien et que je serais une grosse merde, ouais, voilà quoi. Vous me direz des noms de pour jeux, mais c'est quoi le jeu d'Otipa jouer aussi. Ouais, D'ailleurs, vous très rapidement. Vous allez, allez, allez en ce moi, moi, moi j'ai promis ou... que j'arrêtais là, donc. Euh, allez, vite. Alors vite, tu vas quoi okay. toi, Eh ben moi, euh, actuellement, euh, je suis désolé, j'ai pas, pas mal joué à la Switch. <laughs> j'ai euh, joué ouais. à Zelda, ça, ça, euh, le ah oui, petit Zelda. Ça va euh, ouais. Voilà, et puis euh, et puis quoi Earthlock, qui est un jeu aussi sur Switch qu'on trouve sur Xbox, mais que j'ai eu à 3,13€ sur Switch, c'était génial. Voilà. Et bientôt, je vais attaquer Ori effectivement. Fox les bons plans. Ah, bah oui, les bons plans, j'adore. Ça marche. Et toi, Digo, tu joues à quoi Fais-moi mal, vas-y. Ah, Doom. Ah, putain, moi je ah l'attends. Oui, il est pas encore là, putain. Voilà, donc moi je joue du coup c euh... c le, ah, oui. la chose la plus importante cette semaine, Doom. C'est ça. Les annonces PS5, on s'en fout. <laughs> il y a Doom. Ah, et lui, il voulait absolument faire un podcast Doom, mais non, on a dit attends. Écoutez, ah, ouais, on d'abord faire les spec Voilà. <laughs> Bon, ok. Bon, bah, en tout cas, merci. Et du coup, bah, à très bientôt, j'espère, et, et j'espère que ce podcast fera plaisir à ceux qui voulaient peut-être en savoir un petit peu plus, et en tout cas comprendre un peu mieux tout ça. J'espère que vous avez répondu au, au maximum possible. En tout cas, nous, je pense qu'on y voit plus clair, et c'est déjà, c'est déjà pas mal. Donc voilà. Ouais. Merci bah, et à, à la prochaine. Et ciao ciao tout le monde. Ciao. À bientôt. À la prochaine. Ciao ciao. ciao.